Bonsoir à tous, comment ça va ce soir? Surtout j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous sur ce tout nouveau stream en cette nouvelle semaine. Bien évidemment, j'espère que vous êtes chaud. Salut bien sûr à Aki, à Exi, à Ago, à Rubrik, à Kanata. Qui a d'autres dans le chat là de présent en tant que petit fidèle, là tranquille. Il y a Fanta aussi bien sûr, bonsoir à tous, hein, installez-vous. Ça va être off Flavien, bonjour, bonjour, hein. Posez-vous sur Twitch ce soir, hein, bien sûr. Pour peut-être... Comme j'ai dit la semaine dernière, le dernier soir des 100% challenge sur Black Ops 2, on l'espère que ce sera le dernier, parce que si c'est le dernier, c'est dire qu'on aura réussi le tank à la... Comment ça, Stormlux? Ouais, le tank. Oh là là, cette soirée de légendaire, c'était incroyable, c'était insane. Salut Anarchix, salut MDT, bonsoir, installez-vous, posez-vous pour cette toute nouvelle session de stream en direct, de diffusion du flux sur Twitch. Pour bien sûr du zombie, salut Anaïs, hein, posez-vous. Oui, le tank, ouais, pour ceux qui étaient là, c'était insane, ce fou rire. Mais encore hier, en rentrant chez moi, je regardais le clip. Putain, c'est incroyable ce qui s'est passé en fait. C'est incroyable. Donc ça m'a clairement donné envie de refaire des best-of Twitch. Donc d'ici peu, vous aurez normalement un best-of par mois. Voilà, un dimanche par mois, il y aura des best-of Twitch. Je pense que je vais reprendre ça, c'est avec les meilleurs clips, etc. Mais voilà quoi. Donc voilà, non, c'était incroyable, le tank en Y, c'était insane. Bon, j'espère que vous êtes chaud ce soir pour, bien évidemment, le 100% challenge de l'ultime map de Black Ops 2 qui nous reste à faire. Bien sûr, c'est Origins, bien sûr, on a fait déjà Transit, et attends, les 1 an de Rémi. Mais merci Rémi pour les 1 an de sub qui font plaisir. Incroyable, une année de sub, putain, c'est... T'es courageux d'être sub pendant 1 an à un tel con que moi, quoi, qu'est-ce que je dis là? Non, justement, subez-vous, lâchez vos subs, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ton sub, ça fait plaisir. Donc ouais, on a déjà fait tous les secrets secondaires des maps d'Iris, Transit, Mob of the Dead, Buried, et la dernière qui nous manque, du coup, franchement, eh bah, c'est Origins, ce qu'on a fait la semaine dernière, donc on va reprendre notre revanche. Il nous restait un truc à faire la semaine dernière, c'était un putain d'atout gratuit. C'est incroyable. Merci Passama, ça fait plaisir pour ton message très gentil. Donc j'espère que ce soir sera le dernier soir où on ira sur Origins pour tenter ce 100% challenge. Le but, c'est que tous les lundis, maintenant, on fait tout ce qu'il y a à faire. Tout ce qu'il y a à faire sur une map zombie en secondaire. Donc tout ce qui n'est pas du secret. Parce qu'on a l'habitude de voir, tu vois, des streams de secrets, marathon secret par là, marathon secret par ci, secret de Darius Intrarus, secret de Nekouille au bord de l'eau. Mais c'est vrai que l'autre contenu, bah c'est moins mis en avant. Genre surtout qu'il y a des maps avec énormément de contenu secondaire. Donc c'est ce qu'on fait les lundis. On a commencé par Black Ops 2. La semaine prochaine, j'espère pouvoir aller sur Black Ops 3. Parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup des choses à faire sur une map de Black Ops 3. Entre toutes les musiques, toutes les constructions, tous les secrets secondaires, tout ça, il y a tellement de choses à faire. Et donc... ce soir, on va aller sur Origins, qui déjà, elle, a un beau contenu, hein, clairement, de choses à faire dessus. Point d'exclamation challenge dans le chat, tu connais bien sûr, pour voir toute la liste de tout ce qu'on doit faire sur cette map Origins. Si je résume, le pack-a-punch, le défi des headshots, le défi des points, le défi des générateurs, défi des coffres, la musique avec les météores, la musique 115, la musique des radios, la MG08 gratuite, la pelle en or, le casque en or, le slot d'atout supplémentaire, le sang de zombie gratuit, le screamer, les grenades napalm, le crafter le bouclier, crafter le drone Maxis et faire 50 manches pour conclure comme il faut. Et les 50 manches, tu vois, c'est un petit bonus, c'est pas un truc qu'on s'oblige. Ce qu'on veut faire, c'est déjà tout ce qu'il y a à faire sur une map, tous les trucs qu'on peut faire, quoi. Le tank en Y aussi bien. Non, j'espère pas quand même, j'espère pas. Parce que hier, ça nous a bien niqué notre partie, ce tank en Y. Bon bah, good luck, MDR. Bah là, ouais, faudra beaucoup de force et de chance. On va faire en sorte que tout se passe bien. On va faire en sorte de pouvoir réussir ce challenge. J'espère. Demain, le grand jour, et oui. Pourquoi t'es désolé, Siri? Ok. Enfin, t'es pas t'excuser, tu sais. On reviendra sur Black Ops 2. C'est pas parce que c'est le dernier soir de ce challenge. T'inquiète pas, Siri. Pète un plomb, il me saoule, là. C'est pas possible, hein. Marche pas pendant la saison de challenge. Si, il faut juste, en fait, écrire comme il faut. T'es géré, Siri. Oh là! On va rester. On lui dit juste de se taire. Ouais, Shiro, comment ça va? Mais ouais, Anaïs, normalement, les gars, demain soir, si tout va bien. Donc, c'est dire si SFR vient bien me poser la fibre demain matin. Qui me refasse pas le coup de lundi dernier, hein. Si tout va bien. Demain. Plus de subs. Oh, et qui dans le chat pour offrir un sub à Ika quand même? Un modo sans sub, c'est un modo qui doit se faire offrir un sub. Voilà, c'est comme ça. C'est la règle ici. On est des michetos. La Flappix Corp, c'est que de la michetonnerie. Tu connais, tu me connais bien. C'est gratuit envers moi et envers les potes. Bref, si quelqu'un m'offrait un sub en priorité, c'est à Ika, là. Mais ouais, donc, normalement. Si demain j'ai la fibre, ça veut dire que demain soir, vous aurez le stream avec le tout nouveau décor.
Ça, c'est l'ancien décor. Enfin, c'est l'ancien décor que j'ai pris en photo avant de déménager le décor. Parce que je te rassure, je suis toujours hein, sur fond vert le temps que j'ai la fibre à mon appartement. Tyranny, mais Tyranny, qui offre le sommeil, qui a. Eh, merci mon tyrannosaure. Comment il va? Oh non, on n'est pas à 52 subs, ça encore. On est à 2. On est à 2 sur 30. Putain, incroyable. Merci beaucoup pour ce offert à Ika. Mais donc, ouais, normalement, les gars, demain, vous aurez le nouveau décor de stream qui sera beaucoup plus lumineux. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus les mousses sombres en fond. Voilà, c'est un petit teaser directement. Vous allez voir, normalement. Et je dis bien normalement, parce que je veux pas m'avancer, tu sais, on sait jamais, la fibre, il y a des galères, ou si demain j'ai des galères à tout rebrancher, parce qu'en gros, demain, entre 8h et 11h30, il y a le technicien qui vient, dès que le technicien est passé, je retourne ici, prendre ce qui me restait, parce que j'ai déjà déménagé le décor pour le reconstruire dans l'appartement, mais il faut que je déplace tout ce merdier, les écrans, les éclairages, la chaise, le bureau, le matos son, les consoles, le PC, tout ça, faut tout déménager, faut tout que j'installe avant de pouvoir stream demain soir. Ça va être la course, mais si tout va bien. Demain soir, vous avez le stream avec le tout nouveau décor, qui, je vous le promets, il envoie de la patate. Hein. Il est quand même... Bon, c'est le même objet qu'avant, donc il sera dans ce style-là, mais en beaucoup plus... Tu vois, ça va être sympa. Donc voilà, ce sera demain soir. J'espère que vous serez là, du coup, pour checker ce nouveau décor de folie. Et bien sûr, avant qu'on passe au gameplay, les gars, on est quel jour? On est lundi, mais tiens, mais qui dit lundi dit... Pas retour zombie, mais planning, voilà. Tu le sais, le nouveau planning de live et de vidéo de la semaine est disponible sur les réseaux. Et merci, Dick, pour les 200. Un bit. Pas 200, 200. Un bit. Je te remercie, ça fait plaisir, frérot. Je te remercie, c'est très gentil. Donc, ouais, les gars. Je te rappelle que demain, j'ai mon décor à monter. Moi, j'aurais besoin de ta cam. Oui, mais c'est pour ça que, comme je démonte ça, t'inquiète pas. Et si t'auras la caméra, t'inquiète pas, t'as pas de soucis à te faire. Voilà. La petite surprise. De quoi, la petite surprise, Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai parlé de surprise, j'ai dit que je sais. Merde, je sais. J'ai Alzheimer, je dois avoir Alzheimer. Merci aussi NDT pour les 100 bits. Ça fait plaisir, je t'en remercie. Donc, nouveau planning. Voilà, nouveau planning. Disponible sur Discord, sur Insta, sur Twitter, sur Snapchat, sur YouTube et même sur Twitch. Donc les gars, checkez-moi ce planning pour savoir quand est-ce qu'on live et qu'est-ce qu'il y a comme live. Et je peux vous dire que cette semaine en termes de stream, oh putain, je crois que c'est jamais été aussi diversifié. Ce soir on a du Black Ops 2, demain on a du IW, mercredi on a du World War 2, jeudi on a du Black Ops 3, vendredi on a du Black Ops 1, dimanche on a du Black Ops 3. Je crois que j'ai jamais réuni autant de codes en une seule semaine, c'est incroyable. Et même que si tout va bien, en deuxième partie stream dimanche, on aura du Modern Warfare avec du Warzone. Je peux pas être plus diversifié que ça en termes de zombies et contenu code. Hein. Franchement, c'est Lunatics, comment ça va? Il m'a dormi hier à cause du tank, c'est incroyable. Donc voilà, allez me check ce planning, ça ferait plaisir, comme ça tweetera de poser des questions. Demain, tu stream ou pas, Flapix, et à quelle heure? Alors que c'est directement marqué sur un planning, t'as juste à faire un clic et tu as la réponse, donc n'hésite pas. Allez me checker ce petit planning. Merci Narco pour les 200 bits. Si tu lances, putain, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu le train de la hype. Let's go monter le train de la hype. Du coup, les gars, le temps que je lance ma partie sur Origins pour terminer ce 100% challenge. Tu connais, bien évidemment. Donc voilà. Et bien sûr, qui dit nouvelle semaine dit également nouveau classement de top subgifter et de top cheerer. Top cheerer, j'ai pas noté c'était qui le bon mal de la semaine en termes de subgifter. Merci beaucoup, Narco, encore 100 bits. Let's go le train de la hype. On le met en PLS. On le met en PLS, voilà. Affiché sur Discord et Twitch, le planning à 0 excuse. Exactement, c'est affiché partout. Tu peux pas le louper. Tu peux le voir gratuitement, le planning. Donc pas d'excuse pour dire désolé, je l'avais pas vu. Non, c'est de ta faute. Tu vas directement en heure de call. Si tu l'es pas, c'est l'heure de call et un point, c'est tout. Bref, qu'est-ce que je disais? Ah oui, le bon mal de la semaine, c'était... Oui, oui, on va passer au gameplay du coup. C'était qui va faire le plus de sol la semaine dernière? Putain. Oh eh, mais attends, mais j'ai un trou de mémoire là. Là, j'ai un... Le chat, est-ce que vous en souvenez? Tu stream quoi demain? Allez, qu'on me le banne celui-là. Hein. Oh bordel. Hein, voilà, je suis aveugle, du coup, moi j'ai pas vu ce oui. Mais quel enfant. Ce n'est pas possible. Enfin! C'est quoi cette blague de merde là que tu nous fais? Je vais retrouver c'est qui avait. Juste, je cherche juste. Mais oui, mais c'était Deluxe! Mais oui, c'était Studio Deluxe la semaine dernière. Putain, c'est la première fois que c'est beau mal de la semaine, hein, c'est ça? Non, Skull Fusion a fini deuxième Skull. Voilà, c'est Origin 100%. Et oui, les gars, quelle indignité. Oh, hey, c'est bon, j'ai le droit d'avoir un trou de mémoire de seconde, de Tozantin. Bon, ce soir, bien sûr, pour cet ultime épisode de Sauce Deluxe. Non, Studio. Ah oui, il y a les nouvelles alertes de sub qui vont arriver peu à peu. Normalement, fin de semaine, là, vous avez les nouvelles alertes de sub gift. De palier 5, 10, etc. Voilà. Et bon, là, t'as déjà celle des 5 subs qui est installée.
Le petit Samantha Gilby. Merci Lunatics pour les 5 subs offerts, tout juste incroyable. Je te remercie frérot, ça fait très plaisir frérot. Je ne sais que dire de plus, je te remercie, voilà. Normalement ouais, je suis en train de bosser dessus. Il y aura des variantes et tout, il y aura des trucs zombies qui vont s'afficher en fait pendant les... Tu verras, dans tous les cas, il y a déjà toutes les musiques pour tous les paliers de subs offerts. Il faudra juste... Du coup, que je bosse juste l'affichage, mais normalement, fin de semaine, je vais faire en sorte que pour le marathon secret, ça ait changé, quoi, voilà, tout simplement. Mais merci en tout cas, Lunatics, de rien à l'équipe, mais quelle gentillesse, c'est incroyable, merci Flo pour le follow. Bon, allez, nous, on passe directement sur Call of Duty Black Ops 2, et on espère, enfin, les gars, réussir... Ah, j'ai oublié de remettre le son sur Black Ops 2. Alors, option, volume général. Ok, les gars, partie solo, on est... Donc parti, vas-y Bonap Pinarco, sur Origins de Call of Duty Black Ops pour tenter ce 100% challenge. Voilà, on l'espère que tout va bien se passer. On l'espère qu'on va y arriver cette fois-ci. On va pas fail comme la semaine dernière à rien le terminer. Mais là, il y a Gaz, l'héros sans cap, le mec qui monte le char en Y, quoi, carrément. Qui m'a envoyé un screen de tous les slots... de perk en gros, de free perk. C'était le seul truc qui nous manquait la semaine dernière. C'est... On était à ça d'y arriver. Bon, aussi, on a eu beaucoup de bugs dans notre game. Mais j'ai l'impression qu'Origin en ce moment, faut que j'arrête d'y jouer. Je crois qu'il y a un signe, il y a quelque chose qui dit Flapix, arrête, arrête de jouer à Origins. Arrête de jouer à Origins en fait. Il y a juste, attends, on a fait 2 fois Origins cette semaine. Sur Black Ops 2, on a des zombies qui volaient par-ci par-là. On se faisait one tap par les zombies. Bref, il y a rien qui allait. Et hier, on parlera pas de la soirée d'hier. Donc voilà. Bon, c'est jusqu'à 21h à tout. Vas-y, bon courage surtout. Bon courage pour le boulot, bien sûr. Et encore merci, hein, ça fait très plaisir. On va peut-être monter légèrement le son de la musique. Hop là. Voilà, j'aime bien avoir un petit peu de musique dans les oreilles comme ça. Ça détend bien. Donc, c'est parti, j'essaie d'avoir shopping gratuit. Ah bah non, on est sur Black Ops 2. Ah, j'adore l'humour, moi je suis quelqu'un, j'adore ça, voilà. Voilà, j'adore ça. Mais donc, ouais, on est parti sur Origins. On espère qu'on n'aura pas de soucis jusqu'à avoir. Masto, quoi, tout simplement. Origins a chopé le virus ZNS. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais une émoticône tank en Y. Bah, pour ajouter une émote, il faut que j'ai 2000 subs. Donc si tu veux l'émote tank en Y, vous savez ce qu'il vous reste à faire, quoi. C'est juste que Twitch, je peux pas ajouter des émotes autant que je veux, quoi. Il y a une limite. Et il faut avoir à chaque fois des bloqués. On va dire le slot d'émote, quoi, tout simplement. Comment ça? Lui, il se prend déjà un coup de couteau, il meurt pas, frérot. Bon, on n'est pas sur d'Iris et on n'a pas les zombies masso. Tu vas te calmer. Bordel. Bordel de crotte à cul. Hop là. Je sais plus s'il y avait... Ah si, il y avait 25 points sur Black Ops 2, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait 25 points quand on s'allongeait. Bon. 25 points, c'est pas fameux. C'est toujours ça de prime. Bon, c'est pas si ouf. Merci Citron pour le follow, bienvenue à toi frérot. Installe-toi sur le stream. Si tu kiffes le zombie, t'es à la bonne place, bien évidemment. Hop là. Ah oui, 3000 subs, j'ai dit que je lâche un reset du compte BO4. J'ai dit, je crois, 3333, un truc comme ça, j'avais dit un truc de merde. Je sais plus ce que j'avais dit. Mais oh, mais c'est vrai que sur Black Ops 2, c'était un enfer de cutter les zombies à travers les fenêtres. J'avais complètement oublié ce petit détail. Que c'était très compliqué. On va peut-être se prendre par contre Cravive dès le début. Parce que je le sens très mal du fait qu'il faut que je m'habitue. On a joué hier à Origins BO3. C'était 3 claques. Là, c'est ma première partie sur Black Ops 2 de la soirée. Je pense qu'on va vite oublier les 2 claques. Hein. On va vite oublier. C'était des radins sur Black Ops 2. Bon, c'était déjà ça. Ah mince, il y avait le... Bah de toute façon c'est pas le bon pied. J'ai pas vu qu'il y avait le robot. Alors on va essayer de tout prendre dans l'ordre tant qu'on peut. Tac, vas-y Remington, ça fait toujours une arme gratuite. J'accepte, je suis chaud. Tac, on va creuser pour essayer. Bah let's go. Mais oui, mais c'est ça que je veux voir. Et la pièce juste là, mais incroyable. Incroyable ce qui se passe là. On va prendre aussi notre petite pierre pour les grenades à palme. Bien sûr, tu connais, tu as l'habitude d'Origins. La petite pièce de shield, bien évidemment. On va essayer de... C'est agir encore un petit peu au couteau tant qu'on y est. Et tant qu'il n'y a pas trop de zombies, ouais. Parce qu'on s'est arrivé un petit peu de tous les côtés. Hop là. On va commencer à redescendre, je pense. On va pas prendre de risques. On va pas prendre de risques, hein. J'ai déjà pris une claque. On va se la jouer, je pense. Bien chill. Tu vois. Oh, munition max, trop cool. C'est ce que j'avais besoin actuellement. C'est faux, je me battais les couilles d'un munition max. J'aurais préféré un petit x2, tu vois. Un petit x2, ça aurait bien régalé en vrai. Là, deuxième x2 dès le début de game. Ça aurait mis trop bien. Hop. Tac, on va essayer de pas se prendre de claque. Ah, la nuke. Ah, la nuke qui fait mal. Ah, là, ça fait... C'est pas très agréable, hein. Vas-y, je vais fouiller un petit peu. Du coup, vu que j'ai la pièce du spawn, je vais pouvoir... Le Remington ne one-shot plus. D'accord, très bien. Ok, bah, c'est bon.
C'est pas ouf, hein. Tu fais quand le prochain Retour Zombie World War 2? Eh bah écoute, je le fais quand tu auras regardé les épisodes des Retours Zombies, parce que t'as toutes les infos par toi-même dans les épisodes des Retours. J'ai même pas besoin de te répondre, c'est directement dit dedans. Voilà, et en intro en plus, hein, donc bon, c'est compliqué de louper une introduction, quoi. Donc tu vas finir en hors de colle, toi, je te préviens. Que quelqu'un me l'emmène à la vie scolaire, là, s'il vous plaît, dans le chat. Putain, ça, tout le monde voulait emmener la personne qui devait aller à la vie scolaire. Tout le monde était en mode, ouais, non, vas-y, madame, je veux bien l'emmener, je connais le cours, vous inquiétez pas, je peux louper 10 minutes, ça ne dérange pas. Ok. Alors, on va essayer de pas fail, je me concentre 2 secondes. Voilà. Putain, là, c'est bien, on a tout dès le début, dès le spawn, quoi, en fait, c'est vraiment bien. Ça m'a manqué tes lives, mais installe-toi. En plus, si tout va bien, c'est le dernier dernier 100% challenge de Black Ops 2. On l'espère, n'est-ce pas? On l'espère, bien évidemment. Hop, aïe, je m'écrase, ça fait mal. Voilà. Après, on traîne dans les couloirs pendant 3 minutes. C'est exactement ça. C'était exactement ça. Tu sais, tu prenais bien le temps de remonter, franchement. Tu t'es reconverti en prof? Ouais, vite fait, voilà, je suis professeur. YouTube, ça paye plus assez. Ça paye plus YouTube, c'est pour ça. Oh là là. Si seulement c'était faux. Hop là, attendez, on va péter un peu de zombies là. Hop. Voilà. On va s'en laisser quelques-uns quand même. On sait jamais s'ils ont été touchés par des balles ou quoi. Je préfère prof d'histoire zombie. Ouais, ouais, bon, là c'est plus Kenshin. Moi je suis plus prof. Même pas de théâtre. Ce serait plus Dexter, le prof de théâtre. Pas prof de sport non plus. Bon, on va dire. Ouais, on va dire prof d'histoire zombie à la limite. Je peux être collé. Eh, les heures de colle, c'est des time out, hein, je préviens. Ah, y'a un concept là à faire. Y'a un concept. On va y réfléchir là. On va. Ça peut donner un petit truc sympatoche. Ok, la pièce de shield n'est pas là. Hop, preuve de la bonne humeur. Oh là là, oh là là. Ah, je sais pas pourquoi cette semaine je suis de bonne humeur. C'est peut-être parce que je me dis que demain j'aurai la fibre. Bizarrement, demain soir j'aurai pas la même humeur, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous me verrez avec le fond vert encore. Bah, la pif, alors la fibre, elle était pas censée venir aujourd'hui. Ferme ta gueule. Ça partira-tu comme ça? Ah, preuve de maths zombie. Bon, en plus, les maths, c'est ma matière préférée. Oui, je suis un des rares qui kiffait les maths. À l'école. Voilà. Je pense qu'on s'en bat les couilles de cette info. Mais je sais pas, je l'ai dit. T'es pas le dernier zombie, toi? Tu cours pas? Ah si, t'es le dernier, mais tu courais pas. Intrigant. Intrigant, intrigant, intrigant. Oh là là! Mais quelle chance, putain! Mais ça se passe trop bien, en fait. À tout moment, il y a le tank qui part en Y. Trop bien, les maths. Moi, je kiffais. Parce que je kiffais. Ouais, TML. Comment il va le grand TML là? Les matchs qui faisaient pas, c'est vraiment pour les calculs, etc. Parce que je kiffais. C'était la satisfaction. Quand tu résolvais ton équation, ton problème, etc. Je trouve que ça, t'avais pas cette satisfaction dans les autres matières. Genre, t'avais pas cette satisfaction quand tu faisais de la grammaire, quoi. Alors que quand tu te cassais la tête sur un truc putain de chiant en maths, c'était tellement dur à comprendre. Et clap, d'un seul coup, bam, tu comprenais et t'y arrivais. La satisfaction, j'ai trouvé incroyable. Voilà, c'est... Je sais pas si vous êtes de cet avis, mais... c'est pour ça que je kiffais les maths. C'était juste pour... le bonheur que c'était. C'était en mode... Putain, j'ai compris, j'ai réussi là. Genre vraiment, j'ai réussi là. Et je trouvais ça incroyable. Oh oui, le double point. Oh oui, bien sûr. On va se prendre, je pense, une MP40 après pour être tranquille. Parce que c'est vrai que le Remington, c'est sympa, mais je pensais pas qu'il était aussi claqué, le Remington. En zombie sur Black Ops 2, je m'en souvenais pas, en tout cas. Mais en termes de dégâts, franchement là, bah je m'attendais à mieux là. Hop. Hop là, mourez s'il vous plaît messieurs. On va juste laisser un zombie. Des fois deux, c'est bien parce que ça pourrait ouvrir l'église. Surtout si on a le robot de l'église, après ça ferait plaisir. Ok, là on a le dernier zombie, on va le laisser en vie. Soit j'ouvre le spawn pour essayer d'avoir la pièce de shield. Ça va très bien, et toi je suis enfin en vacances, j'ai fini les examens, je suis presque diplômé en droit. Mais let's go. Déjà, est-ce que ça s'est bien passé, les examens? C'est la question surtout qu'il faut poser. Oh, mais là, les vacances, ça va faire du bien. Ah, c'est vrai que là, c'est le moment des examens pour la plupart des gens. Il est vrai, il est vrai. Donc, ouais. Pas d'accro, ça change. Ouais, ça change, ça change. Bah, j'espère tous ceux qui ont passé leurs examens en ligne, etc. Bah, surtout avec le délire en ce moment, on va dire que c'est pas très pratique. Bah, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, surtout. J'espère que, ouais, ça a été. Bon, on va quand même essayer de faire un bâton dans notre game, par contre. Tu peux faire la musique, point d'exclamation. Challenge et tu as la réponse, mon frérot. Voilà. Mais ouais, Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ah oui, j'ai quand même fait le bâton de glace, c'était pour la strat camp. Et peut-être faire les autres bâtons.
au moins c'est le feu et le vent pour m'assurer au cas où si j'ai plus de mune que je puisse continuer jusqu'à la manche 50 de manière on va dire bah tu vois sans me prendre la tête tu vois. Voilà. Tout simplement quoi. Ouais franchement 3 cours en septembre et go le diplôme. Bah putain bah let's go. Bah let's go là. Le diplôme. Incroyable. Moi je suis accro au jeu. Quand tu dis accro au jeu, c'est genre accro, t'es accro au jeu vidéo, c'est bien, ou accro au jeu, genre jeu de hasard, truc comme ça, parce que ça c'est un peu moins ouf comme, comme addiction je pense. Enfin je sais pas, j'ai jamais été, je me suis jamais trop intéressé à ça. Je pense que ça peut peut-être être problématique si t'es trop accro à des trucs comme ça je pense. Je pince. Est-ce qu'il neige? Putain mais incroyable, on va être manche 6. Oh! L'avion. Et boum, le shoot. Je vous ai pas dit aussi, entre temps j'ai reçu mon shoot par Amazon. Merci Narco pour les 200 bits. Je suis accro à Flapix. Oh, quoi, attends. Oula, il y a un truc de dur dans le pantalon, c'est bizarre. Quoi? Oula, il y a des interférences dans le stream. Non, je sais pas, j'ai un peu l'impression. Tout le plus vidéo. Ah bah ça va alors, c'est plus accro, addiction aux jeux vidéo qu'aux jeux en... un truc comme ça, ça va là. Hein. Bah, ah quoi? Moi, j'ai l'impression que ça bug un peu, c'est bizarre. C'est bizarre, il se passe des choses bizarres. Hein. Très clairement. Bon, on va se faire des points pour quand même... Quand même. Pour quand même, pardon, je ne sais pas parler, je dis quand même. Ouais, attends. Quand même. Qui dit quand même en 2020? C'est quand même. Faire des points pour ouvrir les portes restantes. Essayer de me stuff d'ici à ce que le Panzer arrive. Ce serait pas mal. Parce que je t'avoue que si le Panzer il se ramène et que je ne suis pas stuff, je vais un petit peu bégayer si tu vois ce que je veux dire. Alors, est-ce que c'est le bon pied de robot? For el batin de van. C'est le bon pied de robot, let's go. Faut pas qu'on le loupe du coup. Pas qu'on meure, pas qu'on se fasse écraser, pas qu'on se fasse choper par les zombies, tu connais. Faut qu'on soit très prudent. C'est bon. On va voir toutes les pièces du coup pour le bâton de vent, c'est cool, ça nous permet tu vois de faire un petit bâton de chill sans prise de tête, donc c'est pas mal. Voilà, la piste c'est pas parler, je sais pas parler mais c'est pas grave, on est là, on fait acte de présence quand même. Hein. Salut Kevin, comment ça va? Comment tu vas? Comment tu vas toi? Hop. Allez. Ah c'est vrai que le rechargement c'était long par contre. Tu sais le double triangle, je sais pas, il était chiant je trouve. Oh la marine instantanée, bien sûr. Hop. On va essayer de se laisser juste un zombie tu vois. Non c'est un max de points, on pourra ouvrir le mid, c'est pas le plus important je trouve pour l'instant. Le fait que de toute façon on aura pas assez pour pack à puncher d'ici à ce que le Panzer arrive. C'est pas très important quoi. Mais je pense que je vais me construire le shield, histoire d'avoir une sûreté dans le dos, on sait jamais ce qui peut arriver. Tu sais, une erreur d'inattention est très vite arrivée, un zombie dans le dos et bam, c'est la fin. Et c'est la pagaille. Merci pour les 100 bits, MDT BO2, c'est le meilleur. Ah, en zombie, ça se discute beaucoup même. C'est bizarre de pas avoir une machine à gobblegum ici. Franchement. Meurs pas comme même, voilà comme même. Merci, je me suis dit, j'étais le seul à pas savoir parler, mais non. C'est bien comme même, j'avais raison. Oh. Imagine, il y a des parents qui me regardent avec leur gosse, ils se disent mais le mec que tu regardes là, mais c'est n'importe quoi, je veux pas que... Enfin non, arrête de regarder ça, il est complètement con votre gosse là. Non, je suis pas con. On dit incroyable même. C'est le monsieur de l'écran qui l'a dit. Ça se discute pas quand même. Quand même, non c'est pas quand même, mais des stress, tu vois, il y a des stress qui dit quand même. C'est pas quand même, c'est quand même. Il y a vraiment des gens qui disent quand même. C'est n'importe quoi. Vous avez jamais été à l'école? C'est comme, C-O-M-M-E, espace, même. Putain, t'imagines, j'arrive à mettre le doute comme ça à des gens, ce serait incroyable. Les gens, ils seraient en mode, ah, mais attends, mais il a peut-être raison, le gars, en fait. C'est peut-être comme même, on s'est peut-être trompé, nous. Ah, le disque de feu. Le feu. C'est comme, mais c'est pas quand même. Regardez sur Internet, c'est comme même. Ils se foutent de nous, mais non, je vous fous pas de vous, les gars, jamais. Comment j'oserais me foutre de vous? T'sais. Ah, voilà. Voilà, go, c'est ça, c'est comme même. Oh putain, la team là. Le avec un U bizarre là, putain. Ma vie est donc un mensonge. On disait comme même et incroyable au pluriel. Inquiétant. Intrigant. Extraordinaire. Oh là là. Flapix, prof de français. Ben oui, merci, on me remet comme il faut. Oh là là. Et la pièce de Chine n'est pas là. Faut que j'ouvre une autre porte. Mais avant d'ouvrir la porte, on va se faire bien évidemment le petit générateur. Histoire d'être tranquille, de comme ça on sera fait tout générateur. Mais par contre qu'il neige pas, enfin qu'il neige à la manche 3 et qu'on n'ait pas une neige depuis, c'est aussi rare. Enfin c'est
quasiment jamais arrivé, quoi. C'est triste. Présentement mal le dit, donc c'est... Exactement. À partir de maintenant, c'est quand même pas de discussion possible. Tous ceux qui s'y opposent, on le rappelle ici, c'est une dictature, ça part en ban. Non, peut-être pas en ban quand même, c'est peut-être un petit peu trop violent. Hein. Je me dis, attends. Merde, la grenade. Putain, le zombie, il est rampant, il va mourir, du coup. Chier. Grenade de merde. Zombie BO2, là, mes couilles, il y a un changement de zone. Le zombie, il est blessé. Regarde, je m'éloigne un petit peu, la manche, elle va passer. Ah non, même pas. Ah, il y en avait peut-être un deuxième, en fait, de zombies. Il y en avait peut-être un deuxième. Ou alors, si je me suis pas éloigné du rampant, mais ce qui serait sûr... Ok, ok, bon, j'ai rien dit, mais bon, du coup, là, je vais partir d'ici, la zone, la manche va passer. Les changements de zone, c'était chiant. Bordel. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a ? Encore une grenade. Yes. J'ai quelqu'un, j'adore les grenades. J'adore ça. Pourquoi tu es sur BO2 et pas BO3 ? Bah, parce qu'on veut faire sur BO2. On veut faire sur BO2. Et voilà, la manche a passé. Pourquoi ? Parce que le zombie était blessé. Super. Merci beaucoup, Black Ops 2. Mais par contre, attends, j'ai pas avoir de... Ah ouais, j'ai pas avoir de bâton de glace avant que le robot arrive. On va se faire le bâton devant la fin de la manche, en vrai. Si j'ai le temps. Enfin, si j'arrive à, tu sais, à le faire et qu'il n'y a pas de zombie qui arrive entre temps aussi, que je blesse. Toi, tu as compris. Tu as compris ou tu as pas compris? On faut qu'on se fasse des headshots aussi pour faire le défi des headshots. On a toujours pas fait le pack à punch non plus. Ah! Merde! C'est pas ça que je voulais. Ah, MP40, recharge-toi! C'est chiant! Et merci Bob l'éponge pour le sub tier 1! Bob l'éponge qui rentre dans la famille et l'armée des Baumals. Bienvenue à toi dans l'armée. Je te rappelle, si t'es dans l'armée maintenant, c'est comme même et incroyable. C'est les règles. Merci beaucoup pour ton sub tier 1, ça fait plaisir. Bienvenue à toi. Let's go les gars, on met le daily sub goal en PLS là quand même. Pour ces dernières soirées sur Origins. Pour espérer ne pas avoir de bug et pas avoir de problème. Bien évidemment. Je vais peut-être actualiser du coup moi le daily sub goal quand même. Pour le sub de Bob l'éponge. Mais Bob l'éponge, est-ce que tu es le vrai Bob l'éponge? Est-ce que t'es le vrai? Genre le vrai Bob l'éponge. Celui qui vit sous la mer, quoi. L'éponge carrée, tout ça, quoi. Ou est-ce que t'es un usurpateur? J'espère que t'es le vrai, comme ça j'aurais une star sur mes lives. Ce serait incroyable. Même mes lives seraient incroyables maintenant. Merci Black pour le follow. Ils sont incroyables, les subs. Ils sont incroyables, les subs. Oh! Quelle indignité. Hop. Est-ce que j'ai des zombies derrière moi? Non, donc c'est dire que devant, j'ai possiblement les derniers zombies. Faudrait que j'arrive à... Ah bah de toute façon j'ai plus de balles. Je pense que la question elle est vite répondue. Voilà. On va laisser tous ces zombies là. On va attendre que le robot passe tranquillement. Pendant ce temps je pense que je vais aller chercher peut-être ma... La pièce pour ce bâton. On va essayer de récupérer toutes les pièces aussi, même si on fait... Ouais vas-y, on va faire tous les bâtons. C'était vraiment, j'ai changé du tout au tout là. Je peux avoir un photographe, moi j'aurais un photographe. Franchement ce serait bien. Même pour une session challenge à jour. Pourquoi à jour? Ah bah oui, j'ai craft le shield. Mais bien vu. Putain, mais ça, c'est des viewers qui sont attentifs. C'est incroyable. On me dit quoi faire. Putain, mais c'est bon, je vous laisse stream à ma place, en fait, les gars. Je vais me toucher les couilles tous les soirs, vous rapporter l'argent, puis voilà. Par contre, je pourrais pas vous payer, hein, ça paye pas assez. Hop, c'est vrai. J'ai pas mis, là, comme j'ai craft le shield, il faut mettre à jour le challenge pour savoir où est-ce que nous en sommes, si on va se perdre avec tous ces trucs à faire. Autant sur Diriz, il y avait pas grand-chose à faire, donc ça allait. Craft bouclier, hop, hop. Je copie. Et je colle. Voilà le edit com. Tac. Let's fucking go, les gars. Vous avez plaisir? Un beau mal, des beaux mots. C'est moche. Un beau mal, des beaux mots. C'est drôle, mais c'est pas beau. C'est pas... Non, c'est pas. Ah, mais non, mais de toute façon, je pourrais même pas faire... Oh, ah, j'ai la haine, là. Je pourrais même pas faire un bâton, en fait. S'il faut 2500 pour ouvrir le mid, il me faut 1500 pour ouvrir l'autre côté, là. Ah, c'est compliqué, hein. Je pourrais pas faire de bâton du coup avant que le Panzer arrive. Je le cut mais ça sert à rien. Je sais même pas, en plus c'est lequel que j'ai cuté dans le tas, donc flemme. Je vais me retrouver avec plus zéro zombie là, moi je suis passé d'un coup, je vais voir le Panzer dans ma gueule, je vais être mode. A l'aide, aidez-moi s'il vous plaît. Bah du coup ouais, c'est embêtant, on a pas de bâton possible. Ouais je peux... Non, je peux même pas faire le foudre, je peux en faire aucun en fait. Avant que le Panzer soit là. Ah j'ai... Ah oh, j'ai presque assez. Ah fait chier là. Putain. J'ai pas un...
Non, j'ai fait tous les générateurs en plus sauf le 5. Ah, c'est le dernier en plus, lui, donc je peux pas me refaire d'autres points, en fait. Attends, 25, 25... Ah ! Ah, attends, attends, on peut peut-être se la jouer à peu de choses. On peut peut-être, les gars, si on est chaud, si j'ai... On va essayer un truc, je vais essayer un bail, un petit truc, tu vois, vite fait. Je pense pas qu'il y a assez d'atouts... Masto, j'ai pas pris les 25 points non plus. Creuse pour l'argent, mais j'ai pas envie de creuser parce que j'ai envie de garder les tas de terre pour tu vois. En même temps, ouais, ce que j'allais faire la cuillère. C'est pour ça que je calculais, je me disais, attends, 25 points, plus 25, plus 25. Ouais, attends. Attends. Est-ce qu'à l'église, y a pas d'atout à l'église, hein. Y a pas beaucoup d'atouts en machine sur Origins, en fait. Quand on regarde. Franchement. Merci Super Tartine pour ton follow. Mets le rampant. Bah non, si je m'éloigne de lui, après il meurt, donc bon. Clairement la flemme. Oh. Allez, juste un. Chut. J'ai pas envie de t'être trop... Ah, mais si je creuse au spawn. Eh ouais. Dédicace à tous ceux qui clipent sans mettre le titre. S'il vous plaît, exactement, mon jeu vidéo. Merci pour ton clip et exactement, franchement. C'est... J'aurais pas dit mieux. Dédicace à tous ceux qui clipent sans mettre sans changer le titre des clips, là. Vous êtes les pires. Pires de tous. C'est à cause de vous qu'il n'y a pas de best of Twitch. Juste à cause de vous. Bordel. Il y a des fenêtres à rebâtir. Non, j'ai pas de fenêtre à côté de moi. Mais ouais, il y a passe-passe. Mais ici, il n'y avait pas d'atout, je crois. Ah, mais attends, ça... Ah. Dommage. Dommage, c'est pas ça qui m'intéressait comme bonus. Oh non. Oh non, dis-moi que le zombie t'es pas à côté, c'est bon. Il t'es pas à côté, ça va. Comme il a replu, c'est vrai que... Mais arrête avec tes grenades, putain. C'est pas vrai. Gros. Putain, mais je peux pas m'allonger, je crois. On spawn les fenêtres. Ah, je les ai peut-être pas rebâtis, ouais. Les gars, on va faire... Oh, c'est juste que le Panzer, j'ai peur. J'ai peur du Panzer sur Black Ops. Mais pourquoi je monte? Je vais pas monter. Donc, je pense on va... Tu vois, essayer de gruger. Je veux le bâton. Je veux le bâton. Fuck, hein, voilà, je le dis haut et fort. Ah, si, on pouvait s'allonger là-dedans. Eh, il nous manque... Il manque 40 points. 40. Ah, peut-être qu'il y a eu du spawn de zombies ici quand j'y passais un moment. J'aime quand ça se passe comme ça. J'aime quand ça se passe comme ça, un jeu. Voilà, voilà. C'est pas 1200. Si c'est 1200, ça m'arrange parce que j'ai encore des points après pour reprendre des balles d'MP40. Donc ça m'arrangerait plus. Mais je crois que c'est 1005. Mais si c'est 1002, ça me mettrait trop bien. C'est 1000. Putain, je peux reprendre des balles d'MP40. Désolé, je peux prendre des balles d'MP40. C'était 1000. Oh, let's go. Tout se passe trop bien, je peux prendre des balles d'MP40, je peux faire le bâton, je peux... Il y a une couille dans le pâté. Il y a clairement une couille dans le pâté, il va se passer un truc mauvais. Et on a fait le défi, bien sûr, le pack-a-punch et le défi... Oh là là, dédicace... Ah oui, il parle, je m'en moque. Comment ça? Ah... Défi des générateurs, c'est fait, et pack-a-punch, c'est fait aussi, les gars. On a fait deux trucs en plus dans le challenge, let's fucking go. Mais je peux donc aussi me craft le bâton de vent. Et ça, c'est bien. C'est bien. Je suis timide, ah. Je connais la timidité, t'inquiète pas que je connais. Parce qu'on dirait pas, parce que bah, ça va, tu sais, je suis derrière un écran et tout, mais en réalité, si je vous, genre l'un d'entre vous, je l'aurais jamais vu, et que je le verrais pour un fond vrai, je me pisserais dessus. Je suis extrêmement timide et c'est juste que là je me rends pas compte que je suis derrière un écran, tu sais, je suis tout seul, du coup je me rends pas compte quoi. Mais genre, quand je vais à Paris MCQ ou quoi et que je rencontre des abonnés, des fois je me dis, tu suis mes vidéos toi, c'est gentil hein. J'avoue t'es trop timide, mais ouais, mais moi c'était pareil en classe, pour parler devant la classe c'était impossible. C'est horrible, c'est quand même bizarre, ouais c'est... Y'a un truc qui cloche. Y'a un truc qui... C'est pas normal que tout se passe bien pour l'instant. Autant la semaine dernière, on a été full bug, full PLS. Ça se trouve, c'est une bonne semaine. Eh, ça se trouve, je suis dans ma bonne semaine. Non, attends, en fait, je virais la MP40. C'est quoi? Franchement. Savoir PhD. Bon, on verra. Pas besoin de PhD pour le moment, en tout cas. Je vais laisser ça au cas où. Je vais commencer l'amélioration, l'upgrade du bâton de vent, en vrai. On va aller le craft. Déjà, le craft, dans un premier temps, ce serait plutôt bien. Histoire de pouvoir attendre ce fucking... Panzer. Et je pense qu'à la fin de la manche, on fera aussi la musique aussi. Je désactiverai la musique encore une fois, ce
Si jamais il y a une rediffusion YouTube, c'est dire qu'on a réussi ce challenge. Donc les gars, voilà, posez votre like pour cette réussite, hein, ceux qui sont sur la chaîne Flapix TV pour la rediffusion au cas où. Si je vous rappelle les gars, je sais pas si vous savez, mais j'ai une chaîne secondaire, Flapix TV, qui a presque 70 000 abonnés, ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Et une rediffusion zombie tous les samedis, voilà, et une vidéo zombie tous les mardis, jeudi soir, donc n'hésitez pas à aller lâcher vos abonnements. Mais si jamais vous êtes sur la vidéo, c'est dire qu'on est réussi et tout ça, pourquoi? Je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je disais quoi les gars déjà? Réussite. Ah oui, les musiques seront désactivées parce que, avec les problèmes de copyright, etc., même au niveau de Twitch maintenant, j'évite de mettre des musiques copyright. Donc, quand j'activerai une musique, je vous dirai le titre histoire que vous puissiez tout juste avoir la référence de la musique et pouvoir aller l'écouter. Voilà. Donc, je pense qu'on va se faire la première directement. La première, c'est Archangel de, je crois, c'était écrit par Clark Kresnova, qui fait aussi les voix graves un peu zombies. Chanté par Maluka, Lina Segman, et je crois qu'il y a une troisième chanteuse, je sais plus. Ou non, c'est juste Maluka et Lina Segman, voilà. Seul patron, pas besoin de Zach MDR. Bah j'aimerais bien, j'aimerais bien. Mais YouTube, ils sont pas du même avis, hein. C'est seul au pio, là. Bordel. Mais donc voilà, ce sera Archangel de Lina Segman, Maluka et Kevin Sherwood, et je crois une autre personne, si j'ai oublié pas de bêtises. Pour ça, il fallait activer trois musiques. Enfin, trois météores. La première, In the Spawn. Voilà. Le bon son. Bah, ça me fait chier parce que les musiques zombies, elles sont trop bien, mais j'ai peur qu'elles soient. Je sais que ma chaîne principale au niveau des sons, etc., d'Activision, j'ai pas de soucis. Genre, en gros, Activision, c'est une sorte de whitelist, en gros, si tu préfères, une wishlist, un truc liste, pour lister les personnes qui n'auront pas de soucis. Donc, je sais que ma chaîne principale, en général, j'ai pas de soucis. Mais. Avec ma chaîne secondaire, j'ai des problèmes au niveau des cinématiques, donc je désactive les sons. Hey Barbie Daft! Comment tu vas, Barbie? Let's go ready to rumble, bonsoir. Oula, il y a trop de mots anglais pour moi, je ne connais pas. Bref, la deuxième météorite, elle est juste ici, pour la musique, donc. Voilà, et la troisième, donc, histoire, comme ça, on se fait un truc en plus dans le challenge, ça part, ça dégage, on n'en parle plus. C'est pas le robot du mid, non, c'est bon, c'est pas le robot du mid. Voilà. Et la troisième météorite à activer pour la musique, c'est celle-ci. Et normalement... Voilà. Vous avez le droit au premier note, genre le DAM, et c'est tout. Volume général, je laisse, je touche pas, mais la musique, du coup, je désactive volume de la musique, voilà. Faudra me faire penser à la réactiver, je pense, vers, au cas où, à 55, si j'ai pas réactivé la musique, les gars, faites-y moi penser. Il se peut que j'ai oublié entre-temps. Musique météore, je vais la valider dans le challenge. Voilà, liste des musiques d'Origins, mais incroyable, Maluka et Ena. Ah si, ouais, ok, c'est juste Maluka et Ena, j'étais sûr qu'il y a une troisième chanteuse. Voilà, j'ai désactivé la musique, vous connaissez les copyrights, tout ça, je préfère, on n'est jamais trop prudent. Mais ça va être long quand on voit tout ce qu'on a à faire sur Origins, si en plus de ça je veux faire les bâtons, etc., ça va être très très long. Très très long comme stream Origins. Mais ça fait plaisir, voilà. Je commence le taf, demain j'ai signé ce... Mais let's go! Putain, bah GG! Des GG là dans le chat pour Barbie! Rah! Ça fait plaisir! Quand tu signes là, tu te dis, putain, ça y est! Ça y est, les gars, je suis boss, voilà, je recommence, j'ai signé, ils ont vu une moi, je suis un boss, qu'est-ce que tu veux y faire? Qu'est-ce que tu veux? Bordel. Alors, ouais, je connais toujours pas mes trucs, hein, donc, Wind, Staff, Origins. Pour la musique 115, faut pas, attends, faut pas, pas faire les gens pour les activer, ne pas faire les gens pour les activer. J'ai pas compris, Storm, pour la musique 115, faut pas ne pas... Faire les gens pour les activer. Ah, les générateurs, tu voulais dire. Si c'est le cas, oui, je crois que c'est ça. Mais de toute façon, je vais montrer comment l'activer. C'est comme, tu vois, si on l'avait activé. Et voilà, parce que je crois que ça marche pas non plus. Tu veux pas l'activer si t'as activé l'autre musique, voilà. Les générateurs, je crois que c'est en mieux. Il faut que les générateurs soient désactivés. Mais, au cas où, tu vois, je vais juste montrer comment faire, quoi, en gros. Si tu préfères. Alors, F apostrophe, en gros. Bien sûr, c'était 3. Ensuite, le petit apostrophe tout seul. Ensuite, le double L. Allez, recharge, frérot. 1, 2, et le 2 bar. Ah, faut que je recharge encore, bien sûr. Ah, mais le zombie, t'as pas mon chien depuis tout à l'heure, je tenais même pas. Faut que je retire une fois. Voilà, let's go. Le bâton devant, comme ça, on commence à le faire. On va faire tous les bâtons. Si on fait 100% de challenge, mais pas le secret, les gars. Pas le secret, mais bon, faudrait que... Non, juste, tu vois, les bâtons. Les bâtons, j'estime pas que c'est dans le secret, tu vois, les bâtons élémentaires d'Origins. J'estime que le secret, c'est, tu vois, c'est les bâtons élémentaires, c'est un autre truc. Genre, le secret, il commence une fois que t'as fait tous les bâtons. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas, le secret d'Origins. On va dire que c'est comme quand t'actives le courant, etc., quoi.
Moi, perso, je le vois comme ça, voilà. Mais voilà, quoi. Tac. Donc, on va essayer de se faire tous les bâtons. Tant qu'à faire. Autant... Ce sera plus long, le stream sur Origins. Donc, moi, ça me plaît. Ça me plaît. Alors. Bon, là, si le zombie meurt, je m'en fiche. De toute façon, il faudra qu'on passe la manche assez sous peu pour se refaire des points, bien sûr. Et surtout qu'il y ait la neige, histoire qu'on ait le bâton de glace, qu'on a besoin du bâton de glace pour un des trucs à faire. Ce truc, c'est tout simplement... D'ailleurs, j'ai oublié une pièce du drone de Maxis, exactement. Bon, comme ça, c'est MG... voilà, ça tue les zombies, le pied de robot. C'est pas grave, on s'en fout, fallait passer la manche dans tous les cas. Je sais plus ce que je disais, du coup, c'est incroyable. C'est incroyable. Hop. Ok. Vas-y, let's go. Merci beaucoup, The Azox, pour ton resub des 2 mois. Bienvenue à toi, frérot. Merci pour ton resub, tu régales. Tu montes un petit peu le daily sub goal. Donc forcément, ça fait plaisir. Et je te remercie pour ça. C'est très gentil. Il est où, le Panzer? Bah non, en fait. Voilà. Je lui fous des coups, il me chope quand même. Bon, après, c'est sûr que le bâton de vent, c'est pas le plus efficace face au Panzer. Mais bon, je vois bien qu'il y ait des limites quand même. Je lui fous deux coups, il arrive à me choper, je suis en mode frérot. Tu vas te calmer un peu. Oh, le munition max, il fait plaisir. Et il neige toujours pas, c'est embêtant un peu. Hein, je trouve ça embêtant parce que c'est dire je peux pas creuser et faire ma pelle en or. Donc c'est un peu chiant. Vous pouvez les trouver et me libérer. Oh là là, blablabla, 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 Samantha, on connaît la musique, c'est bon. On a l'habitude avec toi. Merde. Hop. Si on peut se laisser pas trop de zombies à cette manche. Et... Le problème, c'est que j'ai pas marathon, donc j'ai pas envie de faire le bâton de foudre maintenant. Je serais chaud à faire mythe le bâton de feu, en vrai. On a toutes les pièces, on a tout ce qu'il faut. Je serais chaud, le bâton de foudre, tu vois, c'est celui, il attend, on le fera. On le fera, un jour, t'inquiète. C'est juste, tant que j'ai pas marathon, j'ai pas envie de tenter le truc, quoi. Hop. On va tout passer sur vent. C'est bon, let's go. Let's go, let's go. Tout mon jeu, il connaît tout par cœur. Bah, Origins, c'est ma map de cœur. Donc, c'est un peu, tu vois, normal, au final, que je connaisse la plupart des choses par cœur. Il y a juste les énigmes de bâton, je les ai pas encore toutes en tête. Voilà. Mais tout le reste, oui, c'est normal en même temps. À force de faire, refaire, c'est normal qu'au bout d'un moment, bah, ça te rentre dans le crâne, quoi. Clairement. La pièce, elle est pas là, la pièce du drone de Maxis, donc elle était juste au-dessus de nous, en fait. Bon, au moins, le bâton de vent, c'est fait. Ça, c'est bien. Ça fait plaisir, bien sûr. Ça fait très plaisir. Donc, elle était là, la pièce. Exactement. On va pouvoir aller la craft. Let's go, vas-y, je vais la craft dans le bunker. Personne la craft là, franchement. La pièce de drone de Maxis. Mais drone de Maxis, qu'on devra faire déjà pour le craft, parce que c'est une des choses à faire, mais aussi pour avoir la MG 08 gratuite. Complexe, Secret Origin sur BO2, il était... Ouais, il donne un petit peu de fil à retendre. 2-7. C'est compliqué de parler quand même. Hein. Je m'étais jamais rendu compte, mais c'est dur. C'est dur de ouf. Je sais pas parler. c'est incroyablement incroyable. Voilà. On aura BO2 sur téléphone. Ouais, non, peut-être pas quand même. Hein. Peut-être pas quand même. Le futur, c'est bien beau, mais peut-être pas. Je pense pas que c'est une des priorités d'Activision, en vrai. Franchement. Très clairement. Hop. On va chercher la pièce. Tuez-moi. À l'aide. Juste oublier ce... The Peace. Oh oui. Notre zombie. Vas-y, le laisse en vie. Il est gentil. Franchement, il m'avait rien fait de mal. Voilà. Franchement. La plus difficile dans Secret Origins, Ayores, c'est l'étape la plus difficile. Oh. Je trouve pas qu'il y ait des étapes difficiles en vrai dans Secret Origins. Mais il y a des étapes très chiantes. Genre, quand t'es en solo, placer les bâtons dans les robots. T'es là, il te reste que ton petit bâton de foudre à foutre dans le robot du spawn, là. Tu vois, passage, mid. Église, mid, église. T'es en mode, bon. Voilà, hein. Quoi? Oula, attends, je ne lis pas, j'ai juste lu les mots juste avant le smile est choqué, je ne lirai... Non, non, je... Non.
Faites ce que vous voulez, les gars. Faites d'autres vies, vous inquiétez pas. Hein, pas besoin de parler de trucs comme ça, tu vois. Je m'en passerai bien, hein. Sur BO2, l'étape, oui. C'est vrai que sur BO2, l'étape du bouton dans le robot est... Ouais, c'est vrai que le timing était assez short. Ouais, celle-là, c'est vrai que si tu connais pas bien le pattern, etc., ça peut être chiant. Ouais. Voilà. Foutre son bâton dans un robot, chacun sa... Non, écoute, c'est pas ce que tu crois, ok? C'est pas ce que tu crois, du tout. Oh, shit. C'est pas ouf ce qui se passe, là. Allez, hop, on se casse, on va chercher la pièce du feu. Le feu. Et poser également notre bâton. Je pense. Hop. Voilà. Au-delà de vos rêves les plus fous. Ah merde, j'ai pris... Putain, bah du coup il est mort tout seul ce con. Fais chier. Moi je voulais pas que ça se passe comme ça, de base. Putain. Bon, on a plus de bâton, donc faut qu'on fasse gaffe à notre cul, bien évidemment. Alors, vas-y, je pense que j'ai dépensé des points dans marathon. Marathon très cool, très utile, très nécessaire. Franchement. Mais il faudra qu'on ait un dessert aussi au bout d'un moment. Ou barrette, peu importe. Pour le screamer, c'est un des trucs à faire aussi. Ah, bah attends. Ah. Mon ref. Galérer à le craft, le drone de Maxis. Donc, on va le récupérer et ça nous fera un truc en plus fait. Au sein de notre partie, on a craft le drone de Maxis. C'est pas mal, c'est un bon bail. Et je vais remettre également la musique du jeu pour activer peut-être la deuxième, hein, tant qu'on y est, en vrai. Tant qu'on y est, ça peut être pas mal de remettre The Sound. Oh, The Song. C'est bon, y a plus la musique, pas de problème avec YouTube. Ça me va. Je pense qu'on fera plus tard le truc de la MG08. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de passer les manches, tu vois. Donc, si je peux éviter... Ce serait pas mal. Hop. Je sais pas, ça m'amusait de tirer dessus. Ça a eu aucune utilité ce que je viens de faire, mais je l'ai fait. Ou non, je vais garder mes points pour... je vais pas apprendre marathon maintenant, je vais garder mes points pour améliorer le Mosé. Voilà, j'ai amélioré le Mosé quand même. Parce que c'est bien d'améliorer le Moser, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Bien, c'est tout, c'est la seule raison. Non, c'est pour les Panzers aussi, ça peut être cool quoi. Salut Sherdor, comment tu vas? Et ceux qui arrivent sur le stream, hein, posez-vous. Et je rappelle à ceux qui ont Twitch Prime, ou ceux qu'on surnomme les Crésus là, qui veulent lâcher les... Lâchez-vous. Faut qu'on fasse péter le délice sub goal. Moi je veux mettre la daronne dans Tesla, tu connais, la petite Tesla pour la famille. Ça va être très bien. N'hésitez pas à vous lâcher, à vous mettre bien. Parce que ça met bien. Et ça, c'est bien. Bah, faut que je fasse une émote. C'est vraiment juste le... C'est bien. Je sais, c'est même pas en mode... Ouais, c'est bien, franchement, c'est juste... Bien. Voilà. Faudrait que je fasse une émote comme ça. Faudrait. Ouais, ceux qui ont... Surtout ceux qui ont Twitch Prime, là. Vous payez pas votre sub, donc, hé. Hey, si tu lâches en plus ton Prime ici, mec, je te le jure, ton sexe, au moment de 10 cm, ça a été prouvé scientifiquement. Voilà, et des études et tout, tu peux les retrouver sur Internet. C'était breveté et tout. Tu lâches ton Prime ici, mec, ton sexe, au moment de 10 cm. C'est incroyable. Je jure, c'est insane. Hop. Maintenant, faut que je fasse des kills au bâton de feu. On va faire ça. Bah yes, la... Ah ouais, pour les filles, c'est cool aussi. J'ai pas d'argument, écoute, hein. On fait ce qu'on peut dans la vie. Donc là, normalement, on aura les sorts de petits merdeux qui vont venir nous faire chier. C'est vrai, je te jure, c'est vrai, Nathan. Regarde, t'as Twitch Prime en plus, tu lâches. Incroyable. Ça, je paye quoi? Juste le setup de la partie, William. On continue nos petits challenges, voilà. Ah. Oui, j'ai vu ça, même quand j'ai perdu mon sub hier, ma taille était... Voilà, même Iwata le confirme. Quand on vous dit que c'est pas du fake. Que du vrai ici. Que du vrai, mec, c'est incroyable. Oh, attends, manche 9, faudra pas que je passe la manche, faudra que je sorte au cas où il neige. Bon, j'ai l'impression que mon sang de jeu est... Ah, mais... C'est pour ça qu'il était si faible, j'avais pas augmenté le truc. Et voilà, Amsala, merci beaucoup pour ton prime, bienvenue à toi dans l'équipe. Et là, je te laisse témoigner ça dans le chat. Témoigne, tu verras que c'est vrai, vous allez voir. Ça, il va vous confirmer, il va dire effectivement, j'ai lâché mon prime. C'est vrai que ça va monter de 10 cm. C'est vraiment incroyable. Oh là là. Ah, faut bien trouver des moyens de mettre la dent dans Tesla. Hein.
est entre vos mains. Ah, je crois que c'est le dernier. Non. Toi, t'es le dernier, frérot. Lui, c'est le dernier, alors ok, Winège, on va sortir. On sait jamais. Du coup, on sait pas. On s'y met. Wassim, ça va, frérot? Ça, mon ref, ça fait pas l'air d'aller dans le chat. Ragoku, comment tu vas? Ah, oh, mais il reste quelques-uns, les zombies, en fait. Mais 3, c'est pas assez. On risquait de passer la manche. De toute façon, on va voir s'il neige pas. On retourne en arrière. Ou alors, peut-être pas, ce qu'elle a dit, on aura les Templiers, donc faudrait qu'on... Tu vois? Qu'on reste là. Neige-t-il? C'est dommage. J'aurais bien aimé, moi, qu'il y ait de la neige, un peu. Bon, j'ai fait en sorte, parce que mon shield s'était pris des coups tout à l'heure, donc j'aimerais bien qu'il se pète. Voilà. Ouais, il restait deux coups, donc j'ai bien fait de le péter maintenant. Mais on va rester là au cas où pour les putains de Templiers, mon pote. Les casse-couilles, là. Oh, putain, regarde. La boule de feu. Eh. Oh, bah, il neige. Bah, on a bien fait de rester là, du coup. Allez, objectif. Trouver les pièces du bâton de glace. Dis-moi que ça spawn pas loin. Putain de merde. Pardon. Désolé, c'est sorti tout seul. Bordel, j'aurais dû prendre marathon. Je me suis dit, ça va être Gen 4 ou Gen 5, tu vois, je vais avoir un peu de chance sur cela. Ben non, même pas. Faut que je cours la moitié de la map pour y aller. C'est incroyable. Mais au 3, c'est manche 4. C'est jamais manche 4, c'est toujours de l'aléatoire. Tu peux bien avoir la neige manche 4, 5, 6, 3. Ça dépend. Mais au 3, t'as pas de manche définie en mode 7 manches là, neige. C'est ça dépend. 10 fois ça neige, 10 fois ça neige pas. C'est comme ça. Et en plus, on a fait le petit secret du munition max, là. Avec les fameux Templiers. Oui, j'ai transpiré. Rinton, non merci. Je vais pas te mentir que ouais, je commençais à pas être bien, là. Quand je voyais tous les zombies arriver autour de moi, j'étais en mode... Ah, beaucoup vous êtes beaucoup là, les gars. Hop. Vas-y, maintenant je vais creuser tout ce que je peux, tu sais, pour faire l'appel en or. Histoire d'avoir le casque en or et le slot d'atout gratuit. Balista, ah, y'a pas de viseur dessus. J'aurais bien aimé un DSR avec les. Un DSR 50 en fouillant. En creusant. Mon chum. Toujours à la manche 4. Possible, c'est possible d'avoir la neige à la manche 2. Manche 1, je crois jamais. Manche 2, ça m'est arrivé une fois. Mais c'est juste que tout le monde dit que c'est manche 4 parce qu'il y a plus de probabilité que ça arrive à la manche 4. Mais tu verras, comme moi, la manche 4, j'ai pas eu de neige. Hier, la manche 4, on a pas eu de neige non plus. Tu vois, c'est pas... Manche 4, c'est de la neige. Non, c'est aléatoire. Et sauf qu'il y a plus une meilleure probabilité que oui, la neige arrive à la manche 4. Voilà. Oh, Ben, merci beaucoup pour ton 4e mois de sub. Tu fais plaisir, je te remercie. Et merci le Ben qui a lâché son petit sub. Et Star Ice qui lâche aussi son 3e mois de sub. Merci, mon Star Ice. Let's go, les gars, le daily sub goal. On le met en PLS, bien évidemment, tu connais la musique ici. Hop, et les points, bien évidemment, je vais pouvoir améliorer et me faire un petit marathon. Ça va faire plaisir, bien sûr. Vas-y, je vais aller pack-a-puncher maintenant. Je vais pack-a-puncher maintenant, comme ça, ça sera fait. On pourra faire notre bâton de glace aussi par la suite. Et je pense que ça va déjà finir le bâton de feu. Tu vois, tranquille, on se prend pas la tête. C'est pour te faire plaisir, mon flap. Oh, merci beaucoup. Trop de gentillesse ici. Oh, un x2 sur le dernier zombie. Yes! C'est ce que j'espérais! Bon, j'en espérais avoir mieux, quoi. Franchement. Alors, ah! Un petit adossement. Est-ce qu'on en a un là-bas? Nope! Des points pendant le x2. Ah, incroyable. Non, pas de adossement non plus ici. Ce que j'aimerais fouiller partout, parce qu'il faut l'appel en or. Et pour ça, il faut creuser une trentaine de fois. Environ. Voilà, environ. C'est une estimation. Ah, la musique est 300. Incroyable. Merci Damien pour le... Bah le... Incroyable. 300 de sub. Ah, la musique des 3 ans. C'est la première fois que vous l'entendez là, le chat. Première fois que la musique des 3 ans est déclenchée. Merci beaucoup Damien. Putain, 3 ans à lâcher un sub ici. 3 années de ta vie. Ça fait... En vrai, ça fait beaucoup qu'on réfléchit, genre. 3 ans. 3 années. Putain, merci beaucoup. Le numéro uno dans le classement. Oh là là. Je me demande quand t'as fait pour le supporter. Eh, Robric, tu vas te calmer, mon tio, hein. Pas le tout le monde.
Ça a 33 ans égale 36 mois, exactement. Bah oui, je sais, c'est moi qui fais les alertes, Bastien. Donc je sais quand même ce que ça vaut. Putain, incroyable. La musique des 3 ans, qu'est-ce qu'elle est bien. Oh oui. Allez, tu meurs. Voilà. C'est tout. Bon, on va continuer notre petite quête de la pelle en or. La pelle en or. Est-ce qu'on a encore un truc à fouiller par là? Non. Je l'ai ok, je reconnais. C'est beaucoup là, non? Ça fait plaisir surtout, hein, ça fait plaisir. Merci Slim30 pour le follow, bienvenue à toi. Installe-toi. Oh là là. Trop doux cette musique. Un truc qui bouge un peu plus. 3 ans de Flapix, aïe, aïe. Je sais pas comment il fait, hein. Déjà, ceux qui sont sub de moi, je me dis putain, ils ont lâché leur resub des deux mois. C'est... Ils sont sereins, ils sont. Voilà. Oh là là. Putain, c'est incroyable, 3 ans. Incroyablement incroyable. Bon, où est-ce qu'on en était, nous? On en était à faire des trucs. Marathon. Demi-tour. Le petit marathon. Après, on se fera le bâton de glace. Tu vois, tranquille. Mais on finit déjà le feu, chaque chose en son temps, tu vois. On se prend pas la tête, on se prend pas la tête, on est bien. On est bien. Un vrai. On pourrait se faire des pièces de MG ou non, on va attendre un peu, on va attendre un peu. Oh, allez, allez. Pour le LOL. Merci beaucoup. On prend la pièce, comme ça c'est fait. Attends, j'ai bien toutes les pièces du bâton. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait, il neige en plus. Toujours pas de DSR, fait chier. Traîner sur le message, t'es une pipelette. Qu'est-ce que je te dis, t'es une pipelette. Allez, le drone. Nickel. Hop là. On fera le bâton après, je vais me faire la MG08. Qui nous servira à rien vu qu'on va la tèche, vu qu'on a des bâtons. Mais au moins, tu vois, on l'aura fait l'easter egg. Eh, hey, marathon, il fait du bien en vrai. Franchement. J'espère que le drone, il aura le temps de venir. Ouais, c'est bon, il arrive, le petit drone. Hop là. Parfait, merci le drone, t'assures. Je sais pas si j'aurai le temps, donc vas-y, on fera l'autre pièce pour l'MG08 plus tard, tu vois. Quand on aura plus de bâton dans les mains, au pire. On a déjà fait 3 pièces jaunes à ramasser, il manque une et c'est au niveau du spawn. Donc on ira la chercher plus tard. Là, on va déjà passer un petit peu notre bâton de feu en upgrade, quand même. Parce qu'on est loin d'avoir terminé, le bâton. Hop là. Allez. En plus, ah, il nous restait juste un bocal. Ça one-shot pas, merde. Il est temps qu'on le fasse, le bâton. Allez. On va se faire des sous pour passe-passe maintenant, par contre. Ah, let's go. Ça se fait plaisir. Terminé. On va pouvoir donc faire la suite du bâton de feu. Ah, mais oui, j'ai jamais ouvert ici, donc je peux pas... Ah, merde, je peux pas sortir par là. Tellement tort. Hop. Si je peux laisser un zombie en vie, ce serait peut-être un peu mieux, en vrai. Donc on va sortir par là et on ira par nous-mêmes... chercher la pièce du bâton, la pierre du bâton de glace, si tant qu'on y a, comme ça on le fait à cette manche. Prochainement, je vais peut-être se commencer les cuts pour les napalms, en vrai. Et activer, vas-y. Vite fait, je vais activer une musique. Il y a une musique. Non, non, j'ai pas d'arme pour ouvrir le pied de robot, donc on oublie, on fera la musique plus tard, la musique des radios. On fera plus tard. Hop. Eh, j'ai que 51 headshots, là, faudrait que je continue, en vrai, les tire-têtes, par contre. Faudrait que je continue de ouf les tire-têtes. Parce que c'est vrai que... Ah, c'est chaud, là. Si je veux faire mon défi des headshots, ce serait bien que je puisse avoir une arme qui fait des headshots. Donc, je pense qu'on va se prendre la MG08 après. Je vais en faire ces bâtons de glace. Bâtons de feu. On va les laisser en pause. On va faire les kills au napalm. Je suis en train d'essayer de m'organiser dans ma tête. Tu vois. Quand de 36 kebabs chez toi, bah, c'est pas mal. C'est mieux. Ça évite de prendre du bide. S'il faut se dire, au moins. C'est incroyable. Et après, je pense que je vais mettre la clim parce que je suis en train de mourir. C'est incroyable. Hop là. On place le gramophone. Tire-tête. On n'est pas sur BO4. C'est bon. C'est
C'est pas Dark Matter. Hein. Mais il faut que je fasse 115 headshots. Et avec mon arme, donc je ferai les headshots avec la MG08 au pire, tu vois. Au moins, on l'utilisera un peu. Pour ça, faut que je me débarrasse de mon... De mon petit bâton. Hop, on prend ça. Tac. Prendre des headshots d'Eikiri. Nope. Surtout que, bah, si c'est Wonderfist, mais c'est dépensé inutilement et aléatoirement. Donc je préfère, tu vas me prendre un bon passe-passe. Ça fait le café, c'est bien, ça me plaît. Moi, ça me fait plaisir en tout cas, tu comprends, hein. Hop là. Ah. Reviens là, Michel. Merci. Bordel. Alors, le bâton de feu, l'upgrade. Je ne me souviens plus vraiment. Ah, attends, est-ce qu'on n'a pas des tas d'ossements là à creuser un peu? Mais si, bien sûr. Si je m'appelle Andor. Oh la grenade, le zombie vient là. Dépêche, dépêche, dépêche. Ouh. Il y a eu chose con. Oula. Oh, oh là 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 là. Firestaff, allez. Là, je vous dis, on est peut-être parti pour 3 heures de game. Hein. 3h, 3h30 avec tout ce qu'on a à faire, c'est incroyable. 9, non, 5. Cinq, neuf, six. La tâche de sang. Le 7, donc le 5, il est là. Là. Voilà. Ah bâton de terminer en plus, ça fait plaisir ça. Merci Zrak. Carnage pour le follow, bienvenue à toi. Et merci également Meliodas666. Merci pour vos follow les gars, bienvenue à vous. Installez-vous, posez-vous sur ce stream incroyable les gars. C'est Flappy sa forme, ça va toi le sombre? Comment tu vas? Mais c'est pas logique. Non, la map plus belle sur BO2, elle est plus belle sur BO3. Mais après, si tu prends BO2 PC et BO3 PS4, oui, la map est plus belle du coup sur BO2. Je peux pas trop comparer graphiquement une map PC et une map, tu vois, une map console. Tu peux pas trop, malheureusement. C'est pas à la même capacité, c'est normal. Attends, c'est bon? Oui, c'est bon. Si bon, si bon, si bon. Hop. Il faut que je tourne tout. Tac. Et... Tac. Let's go. Boum. Oh, oh, les dégâts de chute. Mais ils sont violents comme ça sur BO2, je m'en souvenais pas. Oh. Wouah. Eh mais sur BO2, je me souvenais pas qu'il y avait des dégâts aussi genre violents que ça. Genre ça, tu vois, sur BO3, pas de soucis. BO2. Voilà pourquoi faut PhD. Bon, et après, frérot, à part son droit là, tu m'excuseras, mais Origin, c'est pas la map où il y a le plus de hauteur, quoi. C'est pas trop la map où tu vas te prendre des dégâts de chute à part son droit. Donc, tu vois, bref, c'est pas une nécessité, quoi. Pas une nécessité. Ça pique. Ouais, ça piquait, j'étais pas prêt. Et vas-y, tu sais quoi, je vais faire maintenant la MG08. Comme ça, c'est fait, on en parle plus, j'ai posé mon bâton de feu, on va aller chercher le drone de Maxis, bam, on se prend la MG08 comme ça au mid, on n'en parle plus. Hop. Merci Néo pour le follow, bienvenue à toi. Xeno, ça ne sert à rien de poser des questions, débile comme ça. Ça ne sert à rien. Ah, PhD sur Diri, ça aurait été utile. Mais ça aurait été cheaté, t'aurais fait des sauts de l'ange partout et tout, ça aurait été incroyable. Incroyable. Vous savez quoi, vous ferez une bonne déco zombie dans une chambre. Platine, en vrai, de regarder genre des figurines pop, des trucs comme ça sur Amazon. Genre, tu tapes Call of Duty Zombie sur Amazon, t'as vite des posters, des trucs comme ça, c'est sympa. Et sinon, bah, ce que je te conseille, clairement, c'est de faire les atouts. Toi-même, j'ai fait un tuto pour faire les atouts zombie maison, et c'est suffisant, c'est bien. C'est cool. C'est bon, bonsoir. Bonsoir, Manix, désolé. Je m'excuse, mon Manix. Comment tu vas, Manix? Comment tu vas, tes meilleurs youtubeurs? Oh là là, mais Xeno, mais. Ça m'a fait, je vous le dis, ça me fait bander. Faut améliorer tous les bâtons pour faire le secret. Ouais, mais on fait pas le secret, on fait que les secrets secondaires. Ton boubou, bah je m'en fous, mon boubou il est toujours là. Il y a toujours la banane, toujours le boubou, il est toujours, pète toujours la forme. Enfin, je crois qu'il pète la forme. Ouais, il est un peu bancal, mais il pète la forme, t'inquiète. Ça va, toi, bah ça va tranquille, écoute, ça va tranquille, tranquille, man, comme on dit dans le milieu. Voilà. Bon, j'étais en mode. Oh, hey, les insultes comme ça à mes bots, et c'est du ban, hein. Ça part à tout moment. Donc tu vas mieux lui parler, tu vas lui présenter tes excuses au cas où il se botte. Je vous le dis, ça me fait bander. Wesh fusion, comment tu vas? Skull fusion. Et ouais, on dit Pascal, on dit Skull. Ah la Switch rubrique, la Switch. Attends, on va PC pour le reste, tu vois. Voilà. C'est pas tu dire le boubou. Non, tranquille le boubou, voilà. Et là, le CP, exactement.
Il engage, quand même. Merde, mais attends, mais si, mais en fait, je me suis trompé d'endroit pour le... Fuck. Pardon, voilà. Monde du respect aux bots. Après, les autres, sinon, ils en font que leur tête, là. C'est bon, ils sont assez chiants, on a battu with bot, hein. Non, c'est pas là. C'est... En fait, je me suis juste... Ah ouais, enfin, voilà. Voilà, voilà. Ethan doit remplacer Nightbot. Ethan, mon ami, mon frère. Et c'est putain, bah voilà, il boude Wizbot, putain, c'est pas possible ça. Mais oui, c'était juste là, moi je suis bête. Allez, va le chercher. Parfait. Objet récupéré, c'est nickel, merci mon petit drone. Maintenant, faut qu'on court parce qu'on va avoir le Panzer qui va arriver à la manche 12, on va bégayer. Qu'on va voir la manche passée, qu'on aura pas la MJ08, qu'on sera en mode. Oh là là. Rayle plus Ethan, Flapis aux gens. Non, non, mais non, mais Ethan. Ah oh non, je suis parti trop tôt, Ethan. Moi, je suis triste, hein, Ethan. T'as quel âge, c'est frais? J'ai 33 ans. Voilà. Grand colonisateur, mon pote. Historique de la MJ08, bien évidemment que c'est complété, bien sûr, on est trop chaud mec, on est trop chaud. Attends, ah attends, j'ai l'impression qu'il y a... Ouais non, flemme, vas-y. Il y avait le robot de l'église, j'en avais besoin, mais on le fera après, on le fera après. MJ08, parfait. Hop. MJ08, c'est fait mon pote. Let's go. Ah en plus, t'aimes pas le robot de l'église. Mais là je pense, attends je crois que j'ai tout creusé pendant cette pluie, je sais plus, est-ce que c'est à cette manche là que j'ai tout creusé que... Est-ce que c'est à la manche 11 qu'il y a eu Damien et son resub? Il semble que oui. Ouais si j'ai dû, allez on va dire qu'on a tout creusé. C'est moi, il est en train de se taper tous les murs ce con. Voilà, ça va passer la manche, parfait. On va faire nos défis d'headshot, on fera les bâtons après. Une fois qu'on a fait les défis d'headshot, on fait les napalms et voilà, tu as compris. Ethan, bien sûr, dans nos cœurs, comme toujours. Le seul, unique Ethan, le GOAT. Ah, ben non, j'ai pas tout fait, en fait. Hop. Ah, y'a toujours mon drone. Oh là là. Voilà. Tu me floppais, toi. Un sang de zombie, pas besoin pour le moment. On n'a pas l'appel en or, donc ça n'est pas trop utile. Oh, j'ai rien dit. Peut-être aller chercher passe-passe, moi. Non, j'ai complété ça. Ok, oui. Ah, merde, ils s'en vont tous, du coup. Ah, ok, le méchant robot qui se ramène. Pour qu'on fasse aussi, on a les coffres à faire. Putain, il y a trop de choses à faire sur Origins, mec. Oh, c'est le robot de l'église. Je suis désolé, mais faut que j'y aille. Pour une musique. Mais tant qu'on l'a... Tu vois, je préfère assurer le coup, quoi. C'est les trois robots, j'ai rien dit, c'est les trois robots, demi-tour, 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 les gars. On finit le coffre. Voilà, il y avait du monde, hein. Allez. Dis-moi que j'aurai assez de zombies. Oui, j'ai eu assez de zombies, let's go. Ah, quel plaisir. Truc un peu moins ouf, c'est que j'ai toujours pas passe-passe, mais ça peut attendre un peu. On va attendre un peu, tu vois, c'est pas pressé. Combien d'headshots, du coup, là? 60... Ah, ouais. Ah, oh, les bâtards. Saloperie. Laissez mon générateur, les gars. S'il vous plaît. Il vous a rien fait. J'ai eu chaud, ouais. Merci beaucoup, Runfeb, pour le prime. Bienvenue à toi, frérot. Je te remercie, en tout cas, ça fait plaisir. Et encore une mission max. Let's go. Oh, le shield. On se barre. Vite fait, bien fait. Merci beaucoup pour ton prime. Ça fait plaisir, bien évidemment. Let's go, les gars. Le délice golon le met au PLS. Tranquille, man. Tiens, tu recommences la... tu recommences la campagne IW. Ouais, non, on l'a déjà fait. Je pourrais y pleurer une deuxième fois. Franchement, ça m'a suffi une fois. On va courir au shield et on va faire ensuite continuer les coffres un peu. Ah mais oui les gars, les emotes prime là dans le chat pour le petit prime du frérot Ranv. Qui s'est mis bien, qui a lâché son prime. Ici, il a lâché sur la bonne chaîne au moins. Vous aussi, fait comme Ranv, lâchez vos primes ici.
Si ma 7L05, comment vas-tu? Ça c'est du blaze. Hop. Voilà. Toujours pas passe-passe, et sans passe-passe, et bah, ça passe pas trop. LOL, allez. Oh, oh la nuke, non. Oh merde, le son de zombie, pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait, frérot. Let's go, c'est bon, c'est validé. 100 headshots. Ah, on a presque fini les 115 headshots. Prochainement, on devrait pouvoir faire les grenades napalm. Hop. On est à 2 générateurs, du coup c'est pas mal. Ça fait plaisir. Enfin, 2 coffres d'âme, pardon, pas 2 générateurs. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Qu'entends-je? Quis-je? Il faut que je continue à dépenser des points, là, par contre. Et je creuse. Balista, putain, c'est toujours pas un DSR, on va devoir faire des boîtes pour un DSR, à force. On va creuser tranquille. On a la pelle en or, les gars. Let's go. Ah, ça fait plaisir, c'est la petite pelle en or. Ça n'a pas fait les défis, le défi du « on doit dépenser les points ». Pelle en or, bah attends, faut que je la valide. Badum-pam. Pelle en or. Putain, quand je dis avec un air comme ça me fait penser au grand Bellogol. Oh. J'ai 100 zombies au spawn, faut que je regarde s'il n'y a pas le slot perk au spawn. Non. Je changerai pas le temps. Oh, Xavkes, merci beaucoup. Attends, je regarde juste après, frérot. Non. Dommage, je pense. Ça m'a pas l'air d'être vers le spawn, hein, cette histoire. Oh, si, c'était là. Ok, on sait où est le tas de sang pour le slot perk, les gars. Putain, let's go. Xalkes, merci beaucoup du coup pour tes 150 bits qui font plaisir. J'ai vu ton tweet pour jouer à BO1, mon PC, c'est mon rêve de jouer par hasard. En général, je joue avec les potes et les gens que je connais. Si jamais il manque des gens, oui, là je demande aux viewers, subs, etc. Mais donc pour l'instant, je te dis non. Parce que voilà, je prends en priorité mes amis, etc. avec qui jouer. Voilà. J'espère que tu comprends. Hein, c'est pas un an méchant. Hein, voilà. Mais bien sûr, s'il y a de la place vendredi, genre par exemple, si j'ai voilà, des potes qui n'ont pas répondu ou quoi, je dis bah oui, je prends bien sûr des viewers qui connaissent bien les maps et les secrets par contre. C'est une obligation. Pour pas avoir de galère, tu vois, quelconque. Histoire de le claquer parce que ça va déjà être assez long d'enchaîner les maps, surtout sur B1. Ok, c'est de l'autre côté. Je te t'inquiète, c'est normal. Mais t'inquiète pas, j'essaierai de penser à toi si jamais j'ai de la place. Ok, j'essaierai. Hop. Alors. Juste pas trop envie de passer la manche là, tu vois. Je sais pas où est les zombies. Hop là, let's go. Let's go. Alors, pour la musique secrète, la deuxième, on a cette radio activée. Hop, t'actives cette première radio. Voilà, elle est activée, ok. Bien sûr, je désactiverai le son. Là, on fait la deuxième musique, celle qui est avec les radios, qui déclenche du coup une musique d'Avenged Sevenfold qui s'appelle Shepherd of Fire. Cette musique, c'est celle que t'as dans la cinématique d'intro d'Origins, voilà, au cas où. Si tu n'étais pas au courant, tu es au courant. Et pour ça, il fallait activer 3 radios distinctes. La première qu'on a... première qu'on a activée là. On va aller activer la deuxième, t'inquiète pas frérot. Juste avant, j'ai essayé de me faire un petit peu l'état de terre pour avoir le casque en or aussi. Histoire que ça se soit fait. Là, on commence à bien enchaîner. Une très bonne musique, oui, cher d'or. Bien sûr, c'est une très bonne musique, bien sûr. Ça va Avenged Sevenfold après tout. Voilà. Ça explique le pourquoi du comment. Hop. Des points encore. Quelle générosité, putain. C'est tous vos subs, là, les gars, qui tombent. Lâchez vos subs. Oh là là. Hop. Encore un balista. J'aimerais bien un DSR. Limite, DSR, tu vois, je tège mon même G08, c'est pas grave. Mais DSR, c'est pour le screamer. Du coup, il me le faudrait. Vidéo avec des abonnés, non, jamais vidéo, ça, non. C'est galère et tout, je préfère juste des streams spécial subs, etc, tu vois. Tu vois. Bon, pire, on va aller activer la seconde radio, au pire. Si je ne vois pas d'autres tas d'ossements à déterrer pour mon casque en or, bien sûr. Bien sûr, mais au moins, c'est cool, on sait où est le prochain, le tas d'ossements pour le slot perk. Mais avant ça, avant de faire le slot perk, on va se prendre double coup.
tu vois. Hop. Alors, la deuxième radio a activé pour tout simplement la seconde musique secrète, voilà. Donc, elle était juste là. Voilà, je pense que j'ai activé, j'ai appuyé sur F. Normalement, c'est censé être Ed Good. On va continuer. Hop. Souvent des... Non, pas trop des streams spécial subs. Je vais essayer de reprendre quand je serai à l'appart. Mais je pense qu'on fera des sessions, genre, tu sais, après... J'ai bien fait de pas trop m'avancer. Des sessions, je pense plus, c'est multi, etc. Mais des streams zombies avec les subs, en général, je pense que ça arrivera très rarement ou pas du tout. Clairement. C'est galère, tu sais pas à quoi t'attendre des fois, c'est très vite chiant. Puis moment zombie, je suis très chiant. Je préfère faire des sessions multi, chill, etc. où on déconne et tout. C'est du zombie BO2, bah lis le deuxième mot du titre, mec. Voilà, t'as juste à lire le deuxième mot, donc c'est pas très compliqué, j'imagine, en tout cas. Bon, continuons. On a combien de temps de stream là? On est déjà à 1h19, et il nous en reste des trucs à faire, hein. Mais on avance bien. On avance bien, donc ça c'est cool, ça c'est bien. La seconde radio pour la musique secrète de Origins. La dernière radio, pardon, elle est juste là. Alors je sais pas si elle est activée, donc... Si, tu vas entendre. Faut juste attendre un petit peu. Bah, t'entends juste un petit peu en fond, c'est très léger, mais bien sûr, on coupe la musique parce qu'il y a les copyrights. T'entendais le temps. Mais on arrête là, c'est Avengers Unfold, Shepherd of Fire. La musique est validée par la street. Hop là. Donc c'est bon, elle est active, on peut pouvoir remettre notre musique de fond après nous. Musique radio. Hop là, tac. Je mets la musique, c'est... c'est exactement ça. Incroyable. Hop là. Et merci beaucoup, Vortox! Salut Flap, comment tu vas? Merci pour ton deuxième WhatsApp qui fait plaisir. Je te remercie, mon frérot. Tu régales, tu mets bien. Tu mets la dent en Tesla, tu connais. Donc je te remercie grandement pour ton sub. Ça fait plaisir. C'est très aimable à toi. Très très aimable. Incroyable. C'est insane! C'est insane! Belle en or, elle sert à avoir de meilleures récompenses quand tu creuses. Et elle sert aussi à avoir du coup le casque en or, qui te rend du coup invulnérable au pied de robot. Tu peux pas mourir avec le... Voilà. Donc c'est bien. Hop. Voilà. Avec un double tap, ce serait mieux, mais on l'aura bientôt double tap. Je crois que c'est avec les headshots, mais... Non, c'est 30 000 points double tap. Hop. Toujours pas fini mes défis tire-tête, là? Enfin, mon défi tire-tête. Ah, let's go, les 115 headshots, les gars. Les 115 headshots, c'est fait. Deuxième défi validé. Ça fait plaisir. Aïe, 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 aïe. C'est vrai que dans la boue, c'est pas ce qu'il y a de plus foufou de se déplacer. Ça rime, ça. Dans la boue, c'est pas ce qu'il y a de plus foufou pour se déplacer. Ok, on a un zombie derrière, on va le laisser tranquille. Voilà, on va le laisser chill. Hop là. Donc là, c'était le défi... on a fait le défi des générateurs, défi des headshots, et on n'a pas fait le défi des points. Et je me ferais bien des boîtes. Pour du coup, tu vois, essayer de choper un DSR-50. Il faudrait un DSR-50 pour, dans un premier temps, dépenser des points, évidemment. Et bien entendu, faire le streamer. Très important, notre streamer qu'on a toujours pas fait. On l'a toujours pas fait. Ce serait bien qu'on se le fasse, quoi. Un petit peu. Tac. The Regin, c'est faisable mais extrêmement dur. Non, en vrai, ça va. Franchement, ça va. Moi, je vois pas. C'est peut-être parce que je l'ai try aussi pendant je sais pas combien de temps. Mais je trouve ça passe. Il y a plus dur, je trouve. Tu vois. Allez, gars, achète du rouquin pour un DSR-50 première boîte. Ce serait incroyable. Dommage. Rebonjour, Bossy. Comment tu vas? Putain, oui, c'est ça.
ça que j'aime. Ça va être après Pedrozer. Oh, je sais pas parler. Coyon Pedrozer. La map Europa est super cool en Kisome, franchement. Putain, quel plaisir là. C'est ça que je veux voir dans mes games. Bordel. Bon, le screamer de la map. C'est fait. Incroyable. C'est incroyable, mec. Ah, Sun Lake Obal, elle est un peu plus complexe Origins, franchement, ouais. Ouais. Elle demande un peu plus, tu as de concentration, faut gérer et tout. Encore un peu. Tac. Le screamer. Et on va se faire les napalms, là. Avant que ce soit trop compliqué. Putain, on avance bien, les gars. Ça me fait plaisir, là. Ah. Tellement de fois qu'il est blasé. Bah après, les screamers call-off, vraiment, c'est pas des trucs qui font peur. Franchement, ils apparaissent vite fait, quoi. C'est plus des clins d'œil, des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est pas... Tu vois, quand t'as déjà d'autres jeux d'horreur, bon, voilà. Ouh là là, ça fait peur. Ouais, c'est sûr, t'as l'habitude de les faire en plus, c'est quand ils apparaissent, c'est ce que c'est, tu regardes même plus ce qu'il y a dans le screamer, t'es en mode, ouais, allez, le screamer, c'est fait, c'est bon, j'ai compris, hein. Bouh, oh. Ouf. Je ne m'y attendais pas. Pourquoi j'ai pris un air comme ça? Quoi, tu flappies, ça va être toi. Oh là là. Hop là. Les grandes napalm, let's go. Let's go, let's go. Après, on fera comme si on activait la musique 115, mais pour ça, faut que les générateurs soient désactivés, donc... Tu vois, on l'active pas vraiment, mais on montre comment la faire, donc je compte que c'est un ok. Mais je crois que t'as sans la musique, tu peux pas l'activer si... Tu vois, si... Si t'as activé d'autres musiques. Je cherchais les mots, je ne trouve plus mes mots. Est-ce que vous auriez pas vu mes mots? Bon. Tant pis. Est-ce que t'as vu le trailer d'Outlast... Non, il y a un trailer pour Outlast 3? Si, je... Non, mais il y en a un. Attends, je sais plus. Ça me dit un truc, mais sans me dire un truc. Je sais pas, c'est chelou. Ça. Je sais plus. Ouais, Vata. Bah, les Babso, par exemple, aussi, même de BO3, elles ont ça. Bah, frérot, tu fais quoi? T'es long? Voilà. Ramène-toi, mon pote. Hop. Bon, ça, je suis content, on avance bien sur Origins. Donc là, faut que je tue 20 zombies au corps à corps. Si tuer des zombies derrière une fenêtre sur ce jeu n'était pas trop chiant. Oh là là. Anaïs qui offre un sub. Merci beaucoup pour le sub offert, Anaïs. Tu fais plaisir. Et offre des subs plutôt chez Momo. Il mérite plus que moi. Moi, il y en a assez, t'inquiète. Merci beaucoup pour le sub offert, ça fait plaisir. C'est très gentil. J'ai plus de shield. J'ai totalement plus de shield. Du coup, on va peut-être se la jouer un peu plus safe. En vrai. Sans shield. Ah si, c'est bon. C'est juste que... Pourquoi j'ai pas eu de truc de shield? C'est parce que je faisais une animation. J'avais plus mes logos. Hop. Merci en tout cas, Anaïs. Tu fais plaisir. Voilà. Et Aurelio qui est en son sub jusqu'en juin. Mais ça veut dire, attends, jusqu'à l'année prochaine, ça. Ça, ça veut dire que c'est jusqu'à l'année prochaine, ton sub. Ok, j'y vais. Ah ouais, non, mais c'était une supposition. Non, mais merci, tu fais plaisir. Anana. Qui va carry Momo sur Animal Crossing. Incroyable. C'est quand même incroyable. Putain, bah du coup, merci Aurelio pour ce sub étendu de folie. Bah oui, j'ai pas sauté. Je me suis en plus pas sauté, j'ai fait... C'est un clip, je veux que ce soit passé au ralenti. Le mec, il se rend compte bah, qu'il a fait une connerie, quoi, qu'il est là en mode... Ah, oui, j'ai oublié un truc. Qui pouvait être important dans ce qu'on est en train de faire, effectivement. C'est de sauter. Bah de rien, hé 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 hé. J'ai oublié de faut que j'aille nettoyer ma telle. C'est dur à dire, ça, putain. Je galère. Oui, c'est ça. Bah putain, mais incroyable, Aurélo, merci beaucoup. Tu fais plaisir. Tu mets la daronne Tesla à toi tout seul, quoi, c'est incroyable. Si ça, c'est pas incroyable. Hop. Tac. Allez. Voilà, tu sautes. Comme ça, bien sûr. Allez. On continue notre route, tranquillement.
Salut Delgado, comment tu vas ce soir? Merci beaucoup. Digilo, Ez, pour le follow, bienvenue à toi. Bienvenue, installe-toi sur la chaîne. Pose-toi, si t'aimes le zombie, t'as la bonne place, mon ref. Si t'aimes pas le zombie, bah t'as rien à foutre ici, je te le dis. Oh là là. Oh, bon le maire. Hop là. C'est good, on va continuer notre grenade napalm. Mais si je peux y faire, c'est pas trop tard ça non plus. Après, ça peut vite être la merde. Et après, faudra vraiment qu'on tège le bâton de vent et qu'on dépense des points. Peut-être avec le char, il y a moyen qu'on se les fasse. C'est les 500 points en dépensant 500 points dessus et tout. Ce serait pas mal quoi. Merci Mataboum54 pour le follow. Merci, bienvenue à toi. Ça va bien et toi? Bah, ça va tranquille, écoute. Ça va tranquille, on est là. Ah. Moi, ouf, ce qui se passe, c'est que je one-shot plus au bâton et. Non, 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 non. Il y a un salopio qui se ramène. Mort? Ah, je l'ai tué. Dis-moi qu'il a lâché une mort instant. C'est le frérot, il a lâché une mort instant. Wouah, mais il y a combien de zombies là? Ouais, j'y en a plus que 24. Il y a plus de shield, faut qu'on fasse gaffe. La mort instant, c'est trop un signe du destin. Ah, y'a plus de mort instant, fais chier. Je suis focus les gars, je suis désolé, je suis focus. Je suis focus de ouf là. J'espère que vous me pardonnerez. Let's go les napalm. Ah c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Je suis pas bien. Je suis passé à 100 là, mon stress. Ah. Grenade napalm, c'est validé, bien évidemment. Ah. J'étais pas bien là à la fin en vrai. Ah c'est où napalm? Ah c'est là, dans ma liste. Bon. Go faire les pièces du bâton de foudre en vrai, tant qu'on y est. T'as un design de bonus pour tes vêtements, genre mort instant, fois deux, etc. Ah, c'est pas con. Mais là, j'ai essayé de voir, parce que j'ai fait la collection à tout, je sais pas, j'ai des idées en tête. Mais... Tu vois, j'ai des idées pour les élixirs, armes spéciales, etc. Tu vois, j'aimerais bien faire un truc comme j'ai fait avec les atouts, mais avec d'autres choses. Mais tu vois, c'est plus complexe, parce qu'il y a plus de choses, quoi, tu vois. Bah, j'aimerais bien faire des choses similaires, mais pour le reste du contenu zombie que j'ai pas fait, tu vois. On verra, on verra. Bon, les gars, on retournerait pas sur notre meilleur pote, là? Littéralement, celui qui est parti en Y hier. Ouais, baisser. Bah non, merci. Ça t'arrive chez Nike, juste une question, merci. Est-ce que ça t'arrive, tu DM Nike sur Insta, etc., et tu leur dis baisser vos t-shirts ou pas? Est-ce que c'est pareil quand tu veux aller à Decathlon, à la Halle, je sais pas, tu vois, des magasins de marque ou quoi, je sais pas, n'importe quel magasin, tu prends un t-shirt, tu vas à la caisse, tu dis « Vous pourriez le baisser s'il vous plaît? Il y a plus de gens qui achèteraient. » Est-ce que tu dirais ça? Alors pourquoi tu le dis là? Ah? C'est pas un truc que tu dirais, etc. en magasin ou quoi? Donc non, voilà, je te réponds juste non. Sans être méchant, mais c'est juste que je comprends pas ce genre de remarques, de questions, etc. que tu fais. Perso, ça me fait vraiment penser, tu vois, aux gens qui DM les marques en mode « Eh, combien d'RT vous m'offrez ça ?» Mec, tu veux le truc, tu taffes et tu... Voilà. Enfin, je sais pas. Moi, c'est vraiment le truc qui m'insupporte. Ou les gens qui parient sur Insta. J'ai remarqué de plus en plus ça, dès que t'as un Insta où tu mets des hashtags shop, etc. Voilà. Tu vois, t'as de plus en plus de gens qui demandent « Hey, j'aime bien votre marque, je peux devenir ambassadeur, vous m'envoyez un produit, je vous fais une photo. » Le mec, il a 200 abonnés Insta. C'est le genre de truc, tu vois, je comprends pas. Là, c'est le truc que je comprends pas.
Oh putain, c'est ça qu'il faut que je teste. C'est là, il y a un mec qui a réussi à taper un putain de move pour aller là. Oh, oh, faut que je teste. Après. Oh, je viens d'y penser. Je sais pas si vous avez vu le clip sur Twitter, c'était incroyable le clip. C'était insane. C'est le tank. oui, le tank il marche, les gars, c'est incroyable. Putain. Ah, 38 points dépensés, on a double tap. Let's go. Bah encore le DSR. Non mais c'est... Frérot, j'ai voulu une fois le DSR, ça a suffi, hein, t'inquiète. Pas besoin de leur donner la boîte. Putain. Je suis abonné au DSR, ça y est. C'est incroyable. Oh là là. Je peux devenir ambassadeur de ta marque. Ah mais c'est pareil, avant j'étais community manager chez une marque, le nombre de personnes qui arrivaient avec un message demandaient ouais, je peux avoir un truc gratuit, je peux devenir ambassadeur, je peux... C'est tellement irrespectueux pour la marque. C'est incroyable. C'est je me serais jamais dit, comme moi j'ai fait un Insta exprès pour le shop, etc. Flappy CV, tu peux aller follow si tu veux, c'est là où il y a le planning, etc. C'est je trouvais ça incroyable, t'as des mecs, ils envoyaient... Attends, hey, je vais te lire un DM carrément. Ça me fait trop rire, tu vois. En plus, des fois, c'est des comptes, mais qui ont genre 150, 200 abonnés. T'es en mode, mais frère, y a jamais une marque qui va te... Non. Voilà. Alors... Demande de message. Je sais plus quand c'était. Alors, bonjour, vous seriez intéressé par un partenariat en échange d'un de vos produits? Voilà. C'est un vieux compte Fortnite qui a même pas 1000 abonnés sur Insta. Je peux t'en retrouver, voilà. Bonjour, nous sommes la eSport, une team créée le 1er avril, basée sur le jeu Fortnite. Oui, c'est que des trucs Fortnite qui démontrent plus, c'est incroyable. Nous voulions vous demander si un partenariat en échange de produits et de publicité vous intéresserait. Frère, déjà, je suis pas une marque, s'il te plaît, je suis juste un mec qui fait du merch et tout soi-même, qui fait tout soi-même, qui se merde comme il peut. C'est incroyable, j'étais en... Ah oui, merde, j'ai oublié de dire le nombre d'abonnés de ce truc-là. 338. Encore, quand tu sais, t'as un gros compte, etc. Je peux comprendre, tu vois, tu cherches des partenaires pour tes projets, etc. Genre, t'es un youtubeur à 304, c'est sûr que tu veux plus s'entourer de marques afin de pouvoir avoir, tu sais, de la tranquillité, on va dire, financière pour vivre de ça, etc. Mais quand t'as un truc à 300 abos, je dis pas que 300 abos c'est de la merde, mais tu fais pas ce genre de demande, on va dire, tu vois, à ce moment-là, quoi. Surtout que pour les marques, les gars, un conseil, si genre vous voulez stream un jour ou quoi, ne faites jamais vous la demande. Attendez que c'est les marques qui viennent à vous, parce que c'est très mal vu en général. Que c'est à toi qui arrive, enfin voilà quoi. C'est... Putain, le move que j'ai tapé par contre, j'ai roulé sur les chenilles. Voilà. C'est juste, ça m'a fait rire que ce que je voyais, c'est bah, je connais Rémi qui gère la marque Waze. D'ailleurs, big up, hein. À tout ce qu'il fait, clairement. Allez check Waze sur internet si vous voulez des beaux sables bien stylés et tout. Mais lui, il en reçoit tout le temps des demandes d'ambassadeur et je le trollais des fois avec ça en mode, hey, je peux devenir ambassadeur et tout, je suis youtubeur. Et le jour où j'ai commencé à recevoir des messages comme ça, je me suis dit, mais. Je suis pas une marque, tu sais, je suis du merchandising. Enfin, je trouve ça trop drôle, quoi. Oh là là. C'est incroyable. C'est, voilà, c'était la petite anecdote. Eh, hey, 750 RT, tu m'offres un suite. Les RT, dis-le. Le pire bail. Le fléau du monde. Bon, où est-ce qu'on en était, nous, quand même? Le challenge. Mais moi, je sais plus où j'en suis dans mon challenge. Faire mes bâtons. Sacrilège, mes bâtons, j'avais oublié ça. Alors, pack appel c'est fait, défi à chat, défi... Ah, défi point, je l'ai pas validé. Il y a un truc que j'ai oublié. J'ai oublié de valider, je suis désolé. Le défi point, je parlais. Il reste les générateurs aussi. Défi point, c'est fait. Eh, on arrive au bout. Pour l'instant, on arrive à bien gérer tout ce coup. Pas trop s'avancer. Pour l'instant, ça se passe bien, en tout cas. J'aurais été chaud à la limite pour faire le dernier générateur. Voilà, je les avais pas vus, ces deux-là. Vas-y, on va faire le dernier générateur, vite fait. Tu les glisses comme ça sera fait, on aura les points. On n'en parle plus, tu vois, tranquille. Ah, je crois qu'on aura les Templiers, là. Pas trop loin, les gars, si vous spawnez. Ça va, générateur 4, ça me plaît. C'est pas trop chiant, ils sont pas trop à perpète. Faudrait que je rajoute dans le truc challenge, là. L'easter egg pour le min-max gratuit des Templiers. C'est un truc, tu vois, ça reste un truc secondaire d'origine, sur un truc à faire, un truc qu'on a.
Hop. Merci beaucoup Eldorado Gaming pour le follow, bienvenue à toi. Installe-toi frérot. Hop. Je travaille chez Tria. Je dis pas, y'a un t-shirt et je te fais une Maple Leaf Remaster. Vas-y, inertie, je suis chaud. Je suis chaud, mec. Oh. Ouais, ton setup a disparu. Bah, parce que j'ai eu la flemme de le refaire et mon setup a totalement changé, en gros. J'ai juste la flemme de le retravailler. Parce que j'avais pas la flemme, j'avais juste plus le dossier. Enfin, le fichier. Mais de toute façon, je vais vous faire une vidéo setup une fois que je serai installé à l'appart. Pas d'inquiétude, les gars. Après, si t'es intéressé par la config, point d'installation config, point d'installation clavier, point d'activation souris, point d'activation manette, point d'installation casque. Enfin, t'as toutes les infos aux commandes, en tout cas. Hop. Toujours pas bon, mais bonne mère. Attends, mais il m'a fallu combien de zombies, là, ce manche? Mais toujours pas! Bordel! Mais du coup, faudra que je réactualise les commandes aussi, parce que je vais laisser qu'une seule commande casque, vu que bah maintenant, je serai... Putain, mais Ago, il assure, Ago! Il te met toute la config, tout le setup! Skarma incroyable! Ah, pour creuser! Ça, j'ai toujours pas le casque en or, faut que je creuse, là, à ce manche! Ah mais par contre frérot, bon... Il te faut combien d'âmes là? J'ai l'impression que tu vas me bouffer 4 manches... Il est cassé là le coffre, je reconnais. Et là je crois que j'ai cassé le coffre. Je crois que... Ah bah enfin, oh, bordel. Oh. Il est toujours plus long. Je veux connaître la taille. Bordel. C'est genre pro zombie ou pas? Non. Mais y'a pas, de toute façon y'a pas de genre pro ou quoi. Ouais. Tu vois, y'a pas. Ouais. Hop. Ah, le défi des coffres, c'est fait. Quand même aller chercher la récompense. On va continuer nos bâtons tranquilles. Putain, ça va faire 2 heures qu'on est sur la map, on n'a pas fini. C'est incroyable tout ce qu'il y a à faire sur Origin, ça fait plaisir. Tu vois là, on voit tout ce qu'il y a à faire en dehors du secret. Et c'est là que tu vois qu'il y a certaines maps qui sont complètes et d'autres qui sont complètement pas complètes. On sera ça de toute façon maintenant tous les lundis, les gars, pour ceux qui s'intéressent. On a fait BO2. La semaine prochaine, si on réussit Origins, on partira sur BO3. Voilà, je vous le call. Ce sera BO3 le prochain opus, normalement. Allez, hop, le bâton. J'aimerais juste laisser un zombie, tu vois, pour finir mes deux bâtons. Waouh, ah oui. Mais je veux juste moi le sang de zombie, mec. C'est incroyable. Je sais pas si j'aurai le temps d'aller chercher mon slot perk, mais si j'ai le temps, ce serait incroyable. Ah, j'aurais pas le temps. Je pense que si tu vois, je fais le sang de zombie gratuit, j'aurai peut-être un petit peu plus le temps. Tu vois, c'était le temps que je remonte. Let's go! Je crois que j'ai eu le temps. On va voir, on va faire de la Lavender Fizz. On va aller faire de la Lavender Fizz, mais je crois que j'ai eu le temps de le prendre, j'ai un doute. Si j'ai pas eu le temps, ça va être chiant pour retrouver l'emplacement. Hop. J'aimerais juste me laisser un zombie, c'est trop demandé, hein. C'est incroyable. J'ai peur, tu vois, d'avoir loupé, d'avoir fait le truc. Déjà, on va faire ça. Ce serait rien qu'on ait le slot perk. PhD, ça me servira à rien, je vous dis, on va pas prendre PhD du coup. Ah, faut que je continue à fouiller, moi. Va-t'en. Je croyais que tu tues mon zombie. On va continuer de fouiller aussi à cette manche, de creuser. Pour... Je vais creuser toute la manche
Il me faut le casque Condor à tout prix, il manque ça aussi. Il manque des trucs encore. Je m'en rendais pas compte, mais il manque beaucoup de choses à faire. En vrai de vrai. Des clés. Oh, je savais même pas qu'on pouvait avoir les clés morts en creusant. Ah, mais ça va être avec la pelle en or. Bah, attends. Tu ne tueras pas mon zombie. Ah. J'ai pas eu le temps de le prendre. On peut transporter que c'est. Ah, mais non. Mais oui, je suis con. Mais si, je l'ai pris le slot perk. Il me semble. Mais j'ai fait le con, c'est que j'ai pris double coup, ça m'a upgrade du coup à 5. Putain, mais je suis con. Ah, j'ai la haine. Putain, chier. Bah allez, j'ai pris le slot perk en fait, je l'ai. Mais c'est juste que je suis passé de 4 à 5 perks. Tu vois. Est-ce qu'il y a, c'est que j'ai pris double coup comme 5ème atout. Ah le con. Ah le con. Bon, c'est pas grave, au moins on a notre slot perk, mais. Putain, chier. Incroyable. Ah. Bon, au moins on l'a fait. Juste, je pourrais pas avoir un 5. Bon, après, j'ai pas besoin de 5ème atout en vrai. À part. PhD, il me sert à rien. 3... Ah, il y avait Chéri Électrique qui aurait été intéressant. Ouais. C'est vrai que Chéri Électrique aurait pu être intéressant. C'est pour ça que je me dis. Ah, bah non, je peux pas acheter d'atout. C'est que j'ai loupé le slot perk. Et après, je vois, vous ne pouvez transporter que 5 atouts. Et c'est là que je me suis dit. Bah si en fait. En fait je l'ai le slot perk supplémentaire. Au moins on l'a fait pour le challenge. C'est tout ce qui m'intéressait, tu vois. Juste je prépare 5. Mais après j'ai pas besoin de 5ème atout. À part Chéri ça aurait été bien. Franchement. C'est vrai que j'ai un peu le seum pour Chéri Electric. Au moins on a déjà un slot perk de fait. C'est un easter egg secondaire. C'est un truc à faire, voilà. Alors nous on était dans nos creusages. On creuse un petit au peu l'eau. On déterre les totters, lol, le todos main. Le casque en or. La musique 115, on l'a pas encore faite. On pourra pas l'activer parce que les générateurs sont activés, mais j'ai quand même montré comment la faire, comme ça c'est comme si on l'avait fait. Voilà, tout simplement. Le casque en or. J'ai ajouté les trucs aussi. Les trucs que j'ai oublié de noter, genre le min-max, etc. Hop, j'active juste vite fait les gens, ça vous dérange pas la commande. Le min-max gratuit, c'est fait, c'est par les trucs. Il nous manque donc les défis, c'est fait. Musique 115, qu'on va les faire comme ça, ce sera fait. C'est quoi? Je la valide, la musique 115, carrément. Il nous manque améliorer les bâtons et faire 50 manches, en gros. Rah. On avance bien, je suis content, on avance vraiment bien, je suis content là. Là, on va essayer juste de faire un max de manches. Je vous rappelle, l'objectif c'est 50 manches, mais ça c'est optionnel. Le but c'est qu'en une partie, on fasse juste les easter eggs, tous les easter eggs secondaires. Juste en plus, je me rajoute un délire de manches, tu vois. En plus de ça, quoi. Qu'est-ce que je voulais faire moi déjà? Ah oui, la musique 115. Alors, il me semble dans mes souvenirs, pour faire la musique 115, si je ne dis pas de conneries, si je ne m'abuse bien évidemment... C'est activer les symboles en dessous des générateurs qui doivent être éteints. Voilà, je vous le dis, malheureusement, les générateurs sont allumés, mais de toute façon, on pourrait recommencer la partie et le faire juste, voilà, vite fait, ça dérange pas. Mais il fallait, en gros, activer le 1, ici. Ah non, j'ai réussi. Activer le... Ah bah non, les générateurs pouvaient être allumés. Bah j'ai dit une connerie. Alors, t'as entendu des bruits d'activation, on a activé le 1, le 1. Et on va pouvoir améliorer le 5. J'ai pas vu comment on a le slot perk. Faut que t'aies l'appel en or et t'as... Quand t'es en sang de zombie et une fois que t'as l'appel en or également, tu as... tout simplement... un tas d'ossements rouges qui spawn pas sur les tas d'ossements classiques. Il a 16 emplacements de spawn possibles différents. Donc c'est des autres emplacements que tu vois t'as dans, ici quoi. Tu vois, c'est vraiment des tas spécifiques au truc rouge. Et t'as un emplacement sur 16 où il a spawn. Et c'est comme ça que t'as le slot perk. Faut que tu creuses ce tas de rouge que tu vois bien sûr rouge que quand t'es en sang de zombie et avec l'appel en or. Voilà. Oui, le stand zombie, j'ai oublié.
Et voilà. On a activé la musique secrète 115 et je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est la musique du chargement d'Origin sans coop, je crois. Ou je crois que c'est un truc 8 bits, je sais plus c'est quoi la musique. Dans le chat, si vous connaissez la musique, du coup, du truc 115, je serais intéressé pour savoir. Le... C'est un truc 8 bits, il y avait plusieurs versions 8 bits, je crois, tu sais, sur B1 et tout, je m'en souviens. Je sais plus c'est laquelle, la musique du 1 à 5 des générateurs. Daru des Sandstorm, merci beaucoup pour ton... ton commentaire. On dirait la musique... Ouais, c'est ça, tu vois, c'est pareil pour Narder Antoten avec la radio, c'est ça, ouais. Je sais plus c'est laquelle exactement. De toute façon, cherchez, vous tapez Easter Egg Song 115 Generator Origins, vous trouverez sur YouTube. Voilà, au cas où, vous trouverez assez facilement. Mais oui, il nous reste le sang de zombie gratuit à faire aussi. Mais pour ça, il faut qu'on fasse le bâton de vent. De glace, pas... Oui, le bâton de vent, bien sûr. Le avec le bâton de vent, moi, je gèle les charrettes, bien sûr, tous les jours, hein, je fais ça. Ouais, sur Moon, il y avait Pareldia... Pareldolia, j'ai l'air à le dire. En 8-bit, c'est ça, SimpleSD, c'est que souvent, t'avais des musiques... musique secrète en 8 bits. Dans ce prochain sub, non, j'ai pas assez l'âge pour ça, enfin. Tout de même. Tout de même. Bon allez, on va se raframe notre petit bâton. Hop là. Vas-y, je vais faire le sang de zombie direct. Non, on va attendre, c'est pour essayer de voir. Avec pourquoi pas un autre slot? Non, j'ai la flemme de faire des slots perks supplémentaires, j'ai la flemme frérot. Même si Cher Electric il mettrait très bien, j'ai la flemme. On va aller juste upgrade le truc. Hop. Là, à ce manche, on va faire... Ouais, vas-y, allez. C'est juste histoire de faire le sang de zombie. Après, on s'en débarrasse, on n'en parle plus. Tac. Comme ça, après, on peut tèche le bâton de là jusqu'à la... réutiliser pour les runs. Hop. C'est quoi pour le challenge? On verra à l'heure à laquelle on finit. Hop. Normalement, là, on a le sang de zombie qui a spawn, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, le sang de zombie gratuit. Putain, on est trop chaud, les gars, c'est incroyable. C'est carrément incroyable. Hop là. Tadam. J'ai vite fait regarder là les emplacements du. J'ai regardé la vite fait. Parce que m'avait envoyé le petit gaz. Eh, au spawn, il y a pas mal d'emplacements. On va retourner au spawn, je pense. Hop là. J'aurais pas trop le temps, mais juste, on sait jamais. Déjà, ça a pas l'air d'être là-bas. Tac. C'est pas là. C'est pas là non plus. Ok. Bon, tant pis, c'était juste pour utiliser mon sang de zombie, tu vois. Au moins, c'est fait. On a fait le secret du sang de zombie. Donc, ça fait plaisir. On va pouvoir améliorer nos deux bâtons, enfin nos bâtons à ce manche-là. Et une fois que ce sera fait, on n'aura plus que des manches à faire. On aura fait tous les secrets secondaires, tout ce qu'il y a à faire sur la map. Allez, on se bouge. Merci pour le follow, Chaotique. Bienvenue à toi. Et merci également Ryan69 et Sosa Chucky. Bienvenue à vous, merci pour vos follow. Ça passera sur YouTube à bord officiel si on arrive à faire tous les secrets secondaires. Oui, et oui. Si ça se passe bien, bien sûr. Hein. C'est... On n'est pas sûr de finir, imagine. Si on n'a pas tous les bâtons améliorés, c'est mort, quoi. C'est mort. Alors. Le double L. Le L apostrophe.
Le IL, IF. Let's go les gars. Let's go, let's go, let's go. Ah du coup j'ai pas l'air con, moi je peux pas tirer sur les... J'ai un putain de Mother, ah merde. Tu les as achetés les DLC? Non non, les DLC non, je les ai pas achetés, je les ai trouvés par terre dans la rue comme ça. Dans la rue voilà, il y avait les 4 DLC, la saison de passe entier. J'ai ramassé du coup mec. Attends. C'est incroyable. Toi tu les as pas trouvés dans la rue. C'est triste ça. Merci Zertek pour le follow, bienvenue. Installe-toi, mets-toi bien. C'est quoi map, point d'exclamation sur map. J'ai... Ah c'était à toi, Asgo, tu l'avais perdu, désolé. Bah attends du coup je vais te le rendre. Merde, on se passe. Oh là là. Hop. Putain, t'as trouvé dans ta touche, putain, incroyable. Là, les DLC, tu les payes pas, tu les trouves dans la rue par terre. Bien sûr, c'est normal. DLC dans tes toilettes, mais regarde, même lui, il les trouve dans ses toilettes, c'est incroyable. Bienvenue, merci pour ton follow, Shadow Démon. Installe-toi sur le stream. Pose-toi, mets-toi bien. Les bâtons, bien sûr, qui sont trop stylés, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, les gars, je vous rappelle, ce vendredi, c'est le retour des marathons secrets zombies à partir de 20h. On fait un marathon que vous me réclamez depuis très longtemps sur Twitch à 20h en live. Marathon tous les secrets de Black Ops 1 Zombie. Et pendant ce stream, comme j'ai pas eu le temps de vous le faire gagner cette semaine, je vous fais gagner comme promis et comme ce que je vous avais dit. Le... Hop. Je vous fais gagner du coup Black Ops 4 PS4 en CD, bien sûr, que j'enverrai chez vous. Je vous fais gagner également un Black Ops Pass de Black Ops 4 PS4. Voilà, ce sera deux gagnants différents. Et normalement, si tout va bien, il y aura aussi un t-shirt et un hoodie Modern Warfare. Du valeur, je crois que les deux. Le hoodie, je crois qu'il est genre à 70€ et le t-shirt à 40, un truc comme ça. Enfin bref, il y aura un gros concours en stream pour ceux présents sur le live de ce vendredi. Voilà, pour ceux qui seront là, c'est la maison qui régale. C'est que des lots qu'on m'a envoyé ou que j'ai reçu, normalement qui étaient pour moi et qu'au final, bah, que je vous offre quoi. Donc j'espère que ça vous fait kiffer quand même, parce que je pourrais les garder. Mais non, je voulais pas ça vous. Si ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas beau. Platinum BO2, ouais, mais c'est pas legit, c'est éclaté, c'est la merde. Tu récompenses pas les développeurs qui ont bossé sur leur jeu depuis je sais pas combien de temps. Donc là, hein, ce que tu me dis, la Blue Bad, là. C'est pas... Bah, c'est nul, en fait, c'est pas bien. C'est pas bien. Quelle indignité. Faites pas comme lui, hein. Il y a des gens qui sont payés pour bosser sur les jeux, et toi, tu fais quoi? Bah, tu les encules, là, super. On va faire pareil quand on aura taf, tu verras. Enfin, coucou pour gagner ta chaîne. Bah, non. 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 Non merci, ça ira tu vois. Voilà. 4 te ferait bien plaisir, il faudra être là vendredi soir. Il hein. Y aura pas d'heure, genre c'est pas à 20h il y a ce truc là à gagner, 21h il y a ce truc là à gagner, non. Ça tombe à tout moment pendant le stream. J'ai pas l'argent pour, eh bah. Suffit de trouver un petit travail ou autre, tu vois, juste faire des... pour se faire de l'argent de poche, comment on appelle ça putain. Petit travaux, genre je sais pas, tu vas tondre, aller chez le voisin, etc., chez les papiers du quartier, etc., les aider. Attends. Toi, tu l'as acheté ta voiture? Bah non, moi je l'ai pris comme ça, la voiture, elle était dans un garage, je l'ai pris. Pourquoi? Bah parce que j'avais pas l'argent pour la payer. Quiz, qu'entends-je? Quelle est cette sorcellerie? Aïe, ah! Ah, je me suis mal avec ma branche de lunettes. Ah! Sa mère, ça me prendra à faire le con. Oh! Les petits. Ouais, les petits jobs, voilà, les petits jobs d'aider, les petits jobs, les petits. Ouais, les petits jobs. Ah! Très en 2020, bah oui, c'est vrai, au pire, t'as le chômage, tranquille. Hein. Putain. Ça, c'est le bon bail. La pix qui ralasse. Bah, ça me sert pas, donc autant que je fasse gagner à la commu, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Alors. Merde. J'ai oublié d'y poser mon bâton. J'ai pris la pièce, mais j'ai pas posé le bâton. La voiture n'est pas pareille. Là, tu voles le besoin personnel des personnes.
Bah tu... Toi c'est pire encore, tu voles le travail. C'est encore pire. Tu as des voitures Flapix tous les jours moi, c'est mon activité du week-end comme ça voilà. C'est pour ça que j'ai 3 Ferrari dans mon jardin, j'ai une Lamborghini aussi vite fait. Bien, normal quoi, normal. Ils ont des voitures, c'est la même chose. Pas au même niveau, mais c'est la même chose mec. Ah là là. Hop là. Rediff. Merde, j'ai pas mis le point d'action rediff. Tu me tues frère, baissez le but. C'est qu'on rigole. Qu'on pète un coup. Enfin non, pétez pas trop parce qu'après sinon c'est pas ouf quoi, ça pue un peu quoi. Tu emménages quand? T'en as part, j'ai déjà emménagé, j'ai juste pas internet, donc ce qui fait que je retourne bosser chez mes parents. D'où l'ancien décor posé sur un fond vert quoi. Voilà. Mais normalement les gars, demain soir sur le samedi soir, vous avez le nouveau décor normalement. Normalement. Si tout va bien, si la fibre est installée, demain soir vous allez avec le nouveau décor, voilà. Voilà. Tadam. Ça se voit à sa tête que Flapixol, tellement innocent. C'est quoi ces préjugés là, attends? Se dire tellement innocent, se dire que j'ai une tête de niais. Gamin. C'est peut-être vrai, oui. Effectivement, c'était peut-être pas tort en fait. Peut-être qu'effectivement, oui. Je vais me remettre en question en fait. Donc ma vie n'est que... Super chérie. Ma vie est nulle. Yeah. Ce n'est que le début. Oui, toi tu es niais. Merci les gars pour le soutien. Vous... Ça fait plaisir de voir des beaux mâles comme ça. Vous êtes... Yes. C'est gentil. C'est très gentil. Merci. C'est le pisseur à soi, ça, Brian. Oh là là. Merde. Pourquoi je l'ai repris? Je voulais pas le reprendre. Salut Alex. Comment tu vas? Ouais, mettez des coucou YouTube au cas où. Si on arrive à améliorer les bâtons, ça part en rediff. Alors donc, c'était pas le Fire Staff que je voulais, là, c'était le... Lightning Staff. Alors. 1, 3, 6, 3, 5, 7, 2, 4, 6, c'est vrai. Ça va être... Et toi, WMX? Tirage au sort vendredi? Ouais, tirage au sort que pour ceux qui sont présents sur le live. Vu que Nightbot tirera au sort les gens qui écrivent dans le chat, à ce moment-là. Alors. J'ai dit quoi? Ah oui. 1, 3, 6, 3, 5, 7. Et 2, 4, 6. Hop là. Pam. Hop là. Donc là, je me souviens jamais aussi, genre... Tu dois tourner deux fois, trois fois, je sais pas quoi, donc je me repère juste, moi, le petit bitonio vers le bas. Voilà, petit bitonio vers le bas. Pack a punch, c'est petit bitonio vers le haut. Si t'es sur One, on fait comment? Bah si t'es sur One et que tu gagnes du coup le jeu sur PS4, t'en fais ce que tu veux de toute façon. Soit tu dis, ouais bah non, du coup ça me sert à rien, je me permets de le... Que tu le remettes en jeu à quelqu'un d'autre. Ou sinon tu le reçois, tu le files à un pote, tu le vends, t'en fais ce que tu veux. Ce sera à toi. Par rapport à Cold War, non. Bah, de toute façon, WMX, même Cold War, tu vois, c'est pas une info officielle. Tant qu'il n'y a pas d'info officielle, t'as pas d'info en fait. C'est que des leaks. Et la moitié des leaks seront faux. Non, c'est sa famille qui nous regardera bizarrement. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Ensuite, vers le haut. Hop. C'est posé vers le haut. On va avoir fini les bâtons les gars, on va pouvoir passer à des manches à l'ancienne. Bonjour de la bite, comment tu vas kill? Comment tu vas kill you? Allez. On court, générateur 4, c'est vers le haut. Eh les gars, là ça stagne, le daily sub goal. Tous ceux qui ont leur prime, etc, lâchez-vous. Mettez vos petits subs pour mettre bien. Bah, ça fait plaisir, ça soutient, tu connais, c'est Meladoran, c'est cela, tu connais la musique, bien évidemment. Non, mais ça fait plaisir, n'hésitez pas, ceux qui ont leur prime, ceux qui veulent gift, ceux qui ont... veulent tir 1 ou quoi. Je vous rassure, si vous kiffez le mode zombie, c'est ici qu'il faut se sub. On est en live tous les soirs à partir de 20h pour du zombie, de toute façon, point d'exclamation planning, tu connais la musique. Donc n'hésite pas à lâcher ton petit sub, à mettre la Doran à l'abri, tout ça, tu connais la musique, bien évidemment. Voilà, on met bien l'armée des Baumals, faut qu'elle s'agrandisse, il faut agrandir l'armée des Baumals. 1, 2. Il faut
Go tier 3. Il faut que, aussi que oui, j'actualise. Oh, c'est ça aussi. Il y aura des nouveaux badges de sub pour les tiers 2 et tiers 3. Merci de me faire penser à Go. Voilà. Merci de me faire penser, j'ai oublié. Hop. Tac. Merci, voilà, WFX qui offre un sub à Nasfor. Lâchez-moi un gros spam de mode free sub. Pas sub, free sub dans le chat. Le petit zombie avec le petit cadeau, là. Pour le sub gift, s'il vous plaît. Ça ferait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des modes free sub, là. Faudrait qu'on que ça bombarde. Du coup, bah, n'hésite pas à remercier un As et bah, WFX pour le sub offert. Ça mérite un sub. Ah, go, t'es déjà sub, mon salopio. Ah là là. Tu peux mettre une Xbox? Oui, bah oui, ouais. À la place de Black Ops 4, je vais offrir une Xbox. Ça me fume des fois, il y a des gens, parce que en ce moment, je regarde de plus en plus de streams, et des fois, dans les chats, des gros streamers, t'as des mecs qui arrivent. Tu sais, il y a un mec, je sais pas, il fait un concours pour une souris, etc. Le mec dans le chat, il arrive. Tu pourrais nous faire gagner un PC, s'il te plaît? Héros. Quand même. J'ai 200 viewers, je te rappelle, hein. Une Xbox plus un voyage à Londres. Bon, ok, Master Gaming, je vais te faire. Je vais t'offrir un voyage à Londres avec une Xbox, ça marche. Voilà. C'est un demander, les gars, quoi, des concours, c'est un de dire, ouais, tu peux pas faire ça. S'il y a des lots et des concours annoncés, c'est que y a les lots, ils sont comme ça, quoi. Fais gagner tes darons et c'est. Oh, bah non. Ça me fera un peu chier. Comme même. Bon, rappel, c'est comme même. Tu peux faire gagner une voiture. Ouais, vas-y, vu que j'en ai volé pas mal, je vais faire gagner la voiture. Je vais faire gagner des Ferrari que j'ai volé. Oh bordel. Rajoute là. Ouais, c'est ça, ta Ferrari violée à la place de. Volé, pas violé. Je viole pas des Ferrari. Je vous rassure, je ne suis pas. Comment ça s'appelle? La mécanophilie, putain. Je suis pas mécanophile, je vous promets, je vous le jure. Oula. Voilà. Je sais pas, c'est ça, c'est la mécanophilie, ça s'appelait. Dans la vidéo d'Antoine Daniel. Ouais, mécanophilie, putain. À l'ancienne, Antoine Daniel, ça. Ouais, Genzo, comment tu vas? Comment que tu vas, toi? Tu as Tenzo, l'eau. Hop là, le bouquet, on le reprend. T'adore. Oh, merci, c'est gentil. Oh, j'ai pas repris le gramophone, bordel. C'est pas possible. Zombiephile, ça s'appelle la nécrophilie. Et non. Du coup, non, pas trop. C'est vrai que ça ne m'intéresse pas. Je suis pas trop tenté par ce genre de bail. Xbox ou PS4? Bah PC. PC, bien sûr. Bien sûr, quelle question. La mécanophilie, c'est quand t'aimes les voitures. Ceux qui ont regardé Antoine Daniel savent... On sait tref. Nesra, ouais. Alors en ce moment, je cherche une Nintendo... Je veux trop une Nintendo 64 avec... Nintendo 64 avec Mario 64, c'est incroyable. C'est mon objectif de vie maintenant. Alors le déménagement bientôt fini, bah en vrai Pedro, on a fini totalement le déménagement ce week-end. Enfin tu sais, en gros on avait fini à peu près je pense vendredi, après 14 jours de travaux et de déménagement. Il restait quelques petites choses à faire dans l'appart ce week-end, ce qu'on a fait. Donc on l'a fini, tout ce qui nous reste à faire en gros, c'est déplacer les ordis. Mais pour déplacer les ordis, il faut la fibre, et normalement, SFR ça vient demain. C'est pour ça que je risque encore une dernière fois de couper tôt ce soir, parce qu'il faut que je me lève tôt demain pour, bien sûr, le technicien, aller l'ouvrir. Mais je vous rassure, s'il y a la fibre demain, ça veut dire que demain, à 20h, c'est le premier stream avec le nouveau décor, qui, je vous jure, est incroyable. Je vous le jure. Mais qui, en plus de ça, ça veut dire qu'on reprendra les vrais gros streams de 20h à 2h du mat. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Normalement, demain soir, tout revient dans l'or, tout rentre dans l'or, tout sera beau. Tout sera incroyablement incroyable. Hop là. Bon. Il serait pas temps d'améliorer nos bâtons, là? Vite fait. Boum, le coup de couteau. Ça dégage. Je pourrais bander sur un nouveau décor. Hein, quoi? Là, tu bugs, Go, en ce moment, sort. Je sais pas, je crois que tu passes beaucoup sous un tunnel, ça doit être ça, en vrai. Mais t'inquiète, frérot, ouais, y'a pas de soucis. Hein. Tu pourrais faire l'histoire de BO1, BO2, BO3 en live, non? On a fait une vidéo entière qui résume ça, donc pas besoin. Pas besoin de faire ce qui a été fait. Surtout quand c'est complexe comme ça. Ah, c'est Monkey qui hack Ago. Ah, ça se comprend du coup. Oh, le stun de zombies, no. Les zombies vont s'éloigner, restez là.
Ah, let's go. Un bâton de terminé au moins. Hop là. Ça dégage. On va faire tous nos bâtons améliorés quand même. Hein. Ce qui va arriver, Edward. Tu ne peux pas y empêcher, mon ref. Tais-toi un peu, Samantha. Tu parles trop. Du bâton de glace. Ah, les répliques de Samantha. Hop là. Et le bâton de foudre aussi, c'est validé. Fin de manche, let's go. Mais je vais passer à mon kill tranquillement. Tranquillement, quoi. On est bien, quoi. Merci, Chewie, pour le follow. Chewie. Chewie. Nous, dans le secret, on fait pas le secret, Kirito. On fait tous les secrets secondaires pendant les stations de challenge. Allez. Le bâton de feu, on le termine, ce serait bien. Let's go! Let's fucking go, les gars! Ça, ça fait plaisir, putain. Oh, le min-max! Dommage, c'est pas quand j'ai le bâton nécessaire. Non, pas maintenant, la down! J'aimerais juste sortir, s'il vous plaît. Ah, je voulais pas sortir maintenant et du coup je sors maintenant, j'ai pas l'air con. Hein. Voilà. Donc je pense que j'ai récupéré tous les bâtons. On va aller se rechercher le bâton de glace et les gars, ça va être parti. Hein. Ouais, y'a trop romain, en plus, faut qu'on fasse gaffe. On va aller chercher nos bâtons de glace et ça va être parti, les gars. Ça va être parti. Nice, frérot. Allô, allô. Si ça a tranquille de tous les côtés, ça fait plaisir. Alors, je vérifie, les gars. Je vérifie, mais normalement, Origins, Pack à Punch validé, défi des headshots validé, défi des points validé, défi des générateurs validé, défi des coffres validé. La musique des météores, c'est validé. Ah, la musique 115, je l'ai pas mise à jour. Mais elle a été faite, bien évidemment. D'ailleurs, faut que je réactive mes musiques. Ah, si, la musique 115, c'est juste, j'ai mis deux validés. Musique 115, c'est validé. Musique radio, c'est validé. La musique 08 gratuite, c'est validé. Hop. La pelle en or, c'est validé. Le casque en... Mais il y a plein de trucs en fait qui sont pas actualisés dans ma commande dans le challenge. Ah, mais c'est parce que j'ai actualisé le point d'excitation multi. C'est pour ça, je me suis chié. Je vais recopier-coller vite fait. J'avais pas vu que j'avais activé le multi. Et personne me le dit dans le chat, quelle indignité. Bon, après, de toute façon, multi. Juste Delcom multi, parce qu'il n'y a pas de multitude ce soir. D'ailleurs, je viens de penser. Donc, on va reprendre. Point d'exclamation. Rose de Neige, mais merci beaucoup pour les deux smoffers à Fakir et à Savage. Tu fais plaisir, je te remercie. Du coup, tu prends la place, bah t'es deuxième du classement du top subgifter de cette semaine. Merci pour les deux smoffers. Donc si on résume. Au niveau des choses secondaires sur Origins, dans tout ce qu'il y a à faire, en dehors du secret bien évidemment, le pack à page c'est validé, défi des chats c'est validé, défi des points aussi, défi des générateurs, défi des coffres, musique météorite, musique 115, musique des radios, LG08 gratuite, pelle en or, casque en or, le slot d'atout, le sang de zombie gratuit, le screamer, les grenades napalm, le craft du bouclier, le craft du drone de Maxis, le min-max, templier, j'ai oublié de le mettre, ça aussi, dans ma commande, je vais le rajouter, hop. Le min-max des templiers, c'est validé, on l'a eu aussi précédemment, amélioré tous les bâtons. Et bonus, manche 50. Et comme challenge mis, donc là, normalement, le point de session challenge, je vais arriver à le mettre à jour comme il faut. Et bah, les gars, j'aimerais un petit peu de GG là dans le chat. Parce qu'il nous reste. Attends, il nous reste 30 manches à faire hein, pour le bonus, pour finir ce stream et cet enregistrement et tout ce qu'il faut. Mais en tout cas, les gars, on a fini
les 100% de challenge des secrets secondaires des maps de Call of Duty Black Ops 2. On a commencé avec Buried, on a fait toutes les constructions, tous les petits easter eggs secondaires, tout ce qu'il y avait à faire du coup sur Buried. Ensuite, on a enchaîné avec une tentative Mob of the Dead qu'on a réussi. On a juste pas fait le bonus de la manche 50 parce qu'on avait eu, je sais pas si t'en souviens, une petite déconnexion. Voilà. Ensuite de ça, on avait fait du coup Transit qu'on avait réussi aussi. On a fait Diris qu'on a réussi également avant Origins. Il nous restait une map, c'était Origins sur Black Ops 2. Nous avons réussi à faire tous les secrets secondaires de toutes les maps de Call of Duty. Parce que je vous rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas les soirées du lundi soir, c'est que d'habitude, tu sais, les streamers, nous les streamers youtubeurs, on a l'habitude de faire, voilà, tel secret de telle map zombie, etc. Voilà, tout le temps, tu vois, tout le temps les mêmes secrets, etc. Mais il y a beaucoup de choses à faire sur les maps. En dehors des secrets, il y a beaucoup d'easter eggs secondaires, de screamers, de clins d'œil, de musique. Ah, ça c'est pas ouf par contre. Ce qui se passe là, parce qu'on a un Panzer derrière nous en plus. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire sur les maps quoi, en dehors des secrets. Et bah les lundis soirs, c'est ce qu'on fait. On fait tout ce qu'il y a à faire sur une map, en dehors du secret principal. Tout. Et on a réussi à faire tout ce qu'il y avait sur Origins, qui était pour l'instant la map où il y avait clairement le plus de choses à faire. C'est incroyable, je suis content. Mais le live est loin d'être fini les gars, il faut qu'on atteigne notre petit bonus. Quand même. Faut qu'on fasse notre petit bonus. Bien sûr. Du fameux manche 50, ou en tout cas un petit peu de manche. Ok, il est là. Hop là, ça dégage. Tac. Use une napalm. Mais non, pas besoin. Pas besoin de napalm, frérot. Oh, un deuxième sang de zombie. Est-ce que ça le prolonge, mon effet de sang de zombie? Genre, est-ce que j'ai une minute de sang de zombie? Ce serait ouf, t'imagines? Quand live en multi, point d'exclamation planning, frérot. Je sais pas si ça prolonge à une minute si c'est le cas, c'est trop bien là, parce qu'on serait vraiment bien pour... Pourquoi pas un petit slot perk en plus quoi, tu vois. Ah non, ça prolonge pas l'effet, malheureusement. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour voir là si je pouvais pas, tant que j'étais en centre zombie, me dire « Allez, un petit slot perk là, ça m'est très bien, tu vois. » C'est pas grave. Et donc, ça veut dire les gars que la semaine prochaine, on va passer au 100% challenge des maps de Call of Duty Black Ops 3. Et autant vous dire, c'est comme Origins. Les maps ont beaucoup de secrets secondaires. Quand tu regardes les masques sur les différentes maps, les spécialités, tout ce qu'il y a à faire sur les maps de Black Ops 3, c'est incroyable. Et c'est... Il y en a encore plus sur Black Ops 4. Hein, ça va être drôle sur Black Ops 4. Mais donc, on a fini les maps de Black Ops 2. Et ça, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Rainbox. Rainbox08 pour le follow. Bienvenue à toi. Là, mais faites-moi péter quand même pour le... C'est pas ouf là ce qui s'est passé, mon shield qui se pète à ce moment là par contre, frérot. Genre le bad timing de ouf, c'est incroyable. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire péter des list of goals, les gars, reste 11, même pas la moitié. Même pas la moitié. Sur révélation, tu vas douiller. Sur révélation, ça va être incroyable. Tu voudrais faire ça quand? De quoi je voudrais faire ça quand, Kill? J'ai pas suivi. Parce que... Ah, si tu parles des trucs des secrets secondaires, c'est déjà ce que je suis en train de faire tous les lundis. En gros. Bah frérot. Mais c'est incroyable. À quel point il s'en est battu les couilles lui. Oh. Ah c'est la mort là. Bah ouais, ça devait arriver là. Clairement avec ce qu'on a enchaîné. Et par contre c'est les points. Putain, on va pas avoir une semaine sans un bug. C'est incroyable. C'est incroyable. Ton décor est trop beau. Ah ouais. Quel décor. On va pas passer une semaine sans avoir un nouveau bug sur Origins, c'est incroyable. Putain, ça fout la haine, j'en ai trop marre. Origins, elle veut plus de moi, c'est incroyable. Nipil, 100% sur Black Ops 3, bah c'est tous les lundis, comme ce que je fais depuis des semaines, Kill You. Kill me, you. No. Oh là là. En gros, je commence lundi prochain, vu que bah, j'ai fini ma map de Black Ops 2. Bah faut, du coup je me suis dit BO1, après j'ai réfléchi, j'ai dit BO1. Bah y'a rien en fait en truc secondaire à part les messages radio quoi, malheureusement. Y'a vraiment rien à faire sur les maps, c'est là je me suis rendu compte que avant que Blundell prenne la direction artistique du mode zombie, c'était vite de ouf les maps, donc je me suis dit ouais non, on va pas faire BO1, on va faire BO3. Voilà.
Mais donc là, si le jeu pourrait se calmer avec moi, parce que bon, Origins, je veux bien, mais que tu bugs à chaque fois que je viens sur toi. Calme-toi, s'il te plaît, hein. Il y a un petit peu marre, quoi, si tu vois ce que ça veut dire. Mais du coup, c'est dire que. Sur XW, oui, on fera aussi les 100% challenge sur XW, bien sûr. Du coup, on se rappelle à cette partie, ne surtout pas utiliser le point, c'est un très mauvais bail. C'est pas une bonne idée le point sur cette game apparemment. Je fais plein d'épisodes avec le taf, t'inquiète chômeur, tu vois. Ouais, t'as tendance. C'est pas ce qu'il faut dire, je crois, ça. Je crois que c'est pas parce que, non. J'ai un doute là dans ce que je viens de dire. Mais du coup, double tap et marathon, je m'en bats les couilles maintenant vu que j'ai fini marathon, tu sais, je m'en fous en vrai. Là, ce qu'il faudrait, c'est un chéri électrique en vrai. Ça me mettrait bien, chéri. Manquerait plus que les grenades napalm n'attirent plus les zombies, t'imagines? T'imagines? Quelle indignité ce serait? Les napalm n'attirent plus les zombies, lol. Ah, on a 3 napalm sur Black Ops 3. Là, on en a 2, je viens de remarquer. Merci Adam Warlock pour le follow, bienvenue à toi. Pourquoi pas faire le secret du deuxième Reich? Le deuxième secret du dernier Reich? Du quoi? The Final Reich, c'est quel club ça, je connais pas. Non, ok, en général, ça c'est les soirées solo du de la semaine, quoi. Show quoi? Ouais, il y a des interférences. Connais pas moi, show. Show. Non, ça me dit rien. Call of Duty WW2, c'est quoi ça, Call of Duty WW2? Merci, un pot de. Sympa? Un pot pour le follow. C'est un pot de je ne sais pas quoi, j'ai plus le temps de lire. Merci pour ton follow, en tout cas tu fais plaisir, frérot. On a quoi? Dacha Daikiri. Non. Ah, mais du coup, est-ce que quand je meurs, je perds mon slot perk? Faut que je regarde, ça m'intéresse, ça. Eh, c'est fiché, par contre, j'ai passé la manche. Eh, cerise électrique, ok. Faut voir si je perds mon slot perk ou si j'ai toujours mon slot perk. Je suis intéressé par ce... cette possibilité, est-ce que ça mettrait bien? Double tap? Non, j'ai envie d'avoir chéri électrique par contre. Ça m'aiderait bien pour la strat. Voilà, cerise électrique. Ah ouais, je conserve mon... Ah bah c'est incroyable, du coup je peux me refaire double tap. Ah merde, le Teddy. Le Teddy de la Vendalfiz. Eh hey, Kill, ce dimanche faut qu'on se fasse du Warzone si t'es dispo. Il faut vraiment. Et oui, faut qu'on se fasse la campagne World at War avec Dex. Bah, hey, Kill, en ce moment, je me refais toutes les campagnes. Quand j'en serai du coup à la Sega Treyarch, je me fais World at War avec vous. Putain, c'est bien du coup si tu gardes ton slot perk. C'est bien ça. Ah, y'a un mec qui spam? Impossible. Ah, je suis même pas allé sur le compte, quoi. Tout spam s'interdit dans le chat, les gars. Ça vous donne un ban temporaire ou ban définitif. Ça dépend de la... on va dire du résultat, quoi. Mais donc, évitez de spam si vous voulez pas être ban, bêtement. Non, c'est le dernier. Putain de zombie, merde. Oh, ok, c'est l'air d'être Gen 3. Non, mais j'arrivais pas à aller sur son compte pour voir ce qu'il avait envoyé. Ah non, c'est Gen 2. J'arrive pas à aller sur le compte de celui qui spammait là, apparemment. Tu feras Zombies Chronicles, on verra. On verra. Pour l'instant, c'est pas prévu. C'est vrai qu'ils ont rajouté des secrets secondaires. Un ou deux, quoi. Oui, pour dimanche, putain, let's go, Kill. Enfin, je demande aussi à Jack s'il est chaud. J'ai pu voir un Santa. Bah, tant mieux alors. Tant mieux alors. Hop. Dacha Daikiri, non merci, je veux double tap. Hop. Putain, encore
Quand que j'ai un min-max, moi, par contre. Parce qu'on tire que j'aimerais bien en avoir un d'ici peu. Après, si j'ai un min-max, je peux toujours creuser, en vrai. Vu qu'avec... voilà, double tap. Vu qu'avec l'appel en or, ça marche. Oh non, mais c'est pas possible! Putain, mon shield qui pète à ce moment. Mais j'ai pas de chance, c'est incroyable! Mon shield il pète à ce moment-là, quoi! Genre, si t'as un mec qui a pas, censé avoir... qui a pas de chance, bah tu mets la tête de Flapix. Voilà. C'est incroyable! Ça me fout la haine! Oh, du sang de zombie! C'est comme s'il ne remarquait pas ma présence. Demain, le custom, tu fais solo ou en team? Bah, demain, y'a pas de live custom, en fait. Je regardais s'il y avait pas un tas de terre ici, vite fait. Déjà, hier, la malchance. Mais oui, non, mais c'est incroyable, on n'est pas chanceux en ce moment. Origins nous aime pas. Elle nous aime plus, ça y est, nous fait la tête. Elle est jalouse de Boyd, je suis sûr. Les points, je m'en fiche. On fait quoi? On tente de passer la manche ou on tente de fouiller un min-max? Franchement. Moi je dis on se la joue safe, on se tente le min-max. Vite fait. Je sais que j'avais déjà réussi à en avoir un avec l'appel en or. Moi je dis je tente. C'est pas une mission max ça, j'ai une pelle en or pour trouver des Remington mec. C'est quoi le délire? Quel est le fuc? Quelle est cette supercherie? C'est pas ouf. C'est vrai, quête secondaire sur Zenith, bien sûr, j'ai dit toutes les maps. Toutes. C'est toutes. Oh, mais des points, je m'en fous. Je suis assez riche. Regarde ça, 27 000 points. Qu'est-ce que j'en fasse, des 27 000 points? Il me sert plus à rien. Remington. Encore des... Mais oh! C'est pas possible. Ta-na-na-na. Ça, c'est une grenade. Ah, merde. Eh putain, je crois que ça a touché les zombies. Tu lèves quand pour une session planning? Ta-na-na-na. Ça, c'est un zombie par exemple. Oh non, il y a le robot, je risque de me faire écraser. Oh. Mince alors. Et au pire, on va passer la manche, on jouera avec avec le petit pistolet. Oh lui. Bam. Vraiment éclaté les points. Vraiment éclaté de ouf. Hein. Smoke du robot, bah oui, c'est parce que j'ai moins. Attends. Cousin, j'ai le petit... Oh, j'ai le casque, hein. Au pire, on se prendra un min-max. J'ai le seum depuis avoir marathon pour ça. Oh, merde. Non, mais pas les deux d'un coup. Frérot. Putain, le zombie qui m'a retardé. Parce que j'ai voulu creuser comme un con. Oh, le min-max, du coup des Putain, merci. Tu fous quand? Aïe. Ça, par exemple, ça fait mal. Pas se mentir que c'est guère agréable. C'est pas un foulichon, même. Hop là, voilà. Tant qu'on est dans une zone assez espacée, tac. La petite napalm des familles. Un zombie qui me tape, voilà. Au moins, ouais, au moins j'ai un mini sur max, c'est incroyable. Oh. Bon, est-ce que je peux me poser, passer mes manches tranquillement, là? Merci beaucoup, Fakers et Pierrot, pour vos follow. Bienvenue à vous, les gars. Installez-vous sur le stream. On est loin d'avoir fini notre game d'Origins, les gars, encore. Et ça fait 2h30. Ouais, quand j'ai dit 3h d'Origins, notre game va durer 3h, je pense, il y a moyen.
Il y a encore un munition max, let's go. Tu fais plaisir là le jeu. En bas. Ah mais frérot, par contre, mon cycle de mun, s'il pouvait être mieux que ça. Un peu éclaté là notre cycle de bonus. Fais chier. Putain. Mon shield il est toujours là mec. Get. Il est toujours en état, parfait état. Merci beaucoup Scar pour le follow. Non, Sky's Games, pardon. Sky's Game. Désolé d'avoir écorché le pseudo deux fois. J'espère que tu me pardonnes. Et merci pour ton follow en tout cas. Ouais, de max de pied, je n'aurais pas avant un moment là. Ah, sans zombie, non, j'ai la flemme en vrai. J'ai la flemme d'aller chercher un autre slot perk. Chéri Trick, il met vachement bien, franchement. Il met trop bien pour cette strat. Fin de manche là, je reconnais. Exactement, let's go les gars, on va essayer de pousser le plus loin possible. C'est une du secret, on fait pas le secret. On fait pas le secret, point d'exclamation challenge, comme c'est écrit dans le titre, et t'auras toute la réponse, tout ce qu'il te faut. Tout ce qu'on a fait, etc. Point, ouais, le point c'est devenu des petites tartes en fait. Exactement ça. C'est exactement ça. Enfin, exactement ça, je sais pas parler. Hop. Ça tue des zombies sans dépenser de balles, donc ce cas-là, faut qu'on se la joue vraiment safe niveau balles. Après, encore une fois, hein, j'ai le Munmax gratuit, j'ai tous les autres bâtons. Tu vois, on peut. Y'a moyen de moyenner quoi en cas de problème. Encore 23 manches. Ça va le faire. Après, je suis pas trop habitué au run BO2 et tout. Donc, bon, on va faire en sorte. Mais si on fait pas les 50, on fait pas les 50. C'est un bonus. Le but, c'est de faire tous les secrets secondaires. C'est juste pour que ça rajoute un petit peu de contenu, on va dire, à la game. On fait en plus de ça un run. C'est un truc annexe au secret, quoi, les runs. Kyagambri, bien évidemment. On espère juste pas avoir de soucis. J'espère que tout va bien se passer. On a eu nuke x2 sans zombie mort instant qu'on n'a pas eu avant de pouvoir rechoper. Ah bah non, rien. Après ça, faudra qu'on refasse un cycle. Ouais, ça va être long avant le prochain min-max. Il y a vraiment eu un cycle de merde là. Cycle de bonus, pas ouf. Puis finalement, je sens. Non, j'aurais pas le temps. De toute façon, faut même pas que je me couche trop tard vu qu'il y a le technicien qui viendra à partir de 8h. Dans ce qu'il annonce. Ah, mort instantanée. Donc notre cycle de gun, de bonus, pardon, va être reset. Merde, putain. Ouais, c'est ça, il est reset notre cycle. Donc on pourrait tomber incessamment sous peu sur un mission max. x2, c'est cool, ça enchaîne comme ça, c'est cool, ça me plaît bien. Hop. La nuke en plus. Vas-y, on passe la manche. On est tous nos bonus de la manche de toute façon, on a eu 100 zombies, mort instant, x2 et nuke. On a eu les 4 bonus. Donc normalement, prochain bonus qu'on a, c'est un munition max. Vu qu'il n'y a pas de charpentier et... Oh là là, merci beaucoup. C'est cadeau. Merci MyVC pour le sub prime qui fait plaisir. Oh là là, le petit prime. Merci énormément. Cela me va droit au cœur, bien évidemment. Bon. Eh merde. Ah.
Déjà, putain, méchant, il fait des dédicaces incroyables. Dédicace à tyrannie autant quand il crée. Petite question, d'où vient ton pseudo? Ah, c'est une histoire qui sera racontée un jour, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. On ne le sait guère. Bah, il est où mon munition max? Est-ce qu'il m'a enceinte? Je l'ai eu avant. Ah, mais non, je l'ai eu dans le dernier cycle. Oh, ça brûle ça. Je reconnais, ça fait chaud. En plus, j'ai changé mon clavier en F en ENG. Voilà. J'aimerais juste repasser pour aller à ma zone de camp. Si tu acceptes le jeu, ce serait pas mal. Ah mais j'ai un min-max, j'ai même pas vu. J'ai une min-max. Bon bah c'est bon, j'ai une min-max du coup. C'était quoi, c'était sur le Panzer? Je sais plus. Merci Léo Games pour le follow. Bienvenue à toi sur la chaîne, installe toi. La petite nuke des familles, mais oui, j'accepte. Volontiers. Allez, la petite nuke. Oh non. Eh, je sais, je vais fouiller, j'aurai jamais de munitions max ici. Oh, le seum, quoi. Putain. Je fouille pour la munac, j'en ai jamais. Et c'est incroyable. C'est incroyable. On aura peut-être... Ouais, les Templiers, c'est ça. Au final, on a souvent des munitions hein, avec les bails des Templiers, le Panzer qui rajoute un bonus, le fait qu'on puisse fouiller, le bonus gratuit. Au final, franchement, c'est là ce que ça pire. Aïe. Et pour être tranquille en plus de ça, tac. Parfait. Enfin, du coup, double munition max, c'est pas le meilleur truc qu'on ait pu avoir, franchement. Ça rend un peu triste, mais bon. Mais bon, soit. Soit, du coup. Ouais, mais je sens des ouf. Faut me laisser passer, messieurs, putain! C'est incroyable! Oh, cet enfer! Voilà, on va retourner tranquille à se poser du coup. Il nous reste 20 manches et ça passe vite la manche en plus là où on est. À Masto, la strat est assez rapide, je suis content. Se passe bien pour l'instant. Ah, j'ai tiré 6 balles, je voulais en tirer que 3. J'ai fait de la merde, je reconnais. Mais encore micro! Mais stop, ça fait 3000 max en une manche! C'est fou! Putain! Gros! Là, j'en irai pas jusqu'à la 35! C'est bon, j'ai la haine! C'est fou ça! C'est vrai, c'est une fin de manche. Mais oui, c'est une fin de manche déjà à la 31. Ah. Ta-na-na-na. Merci beaucoup, Zehoud, pour le follow. On a fait plus 100 follows, ça, c'est incroyable. Merci beaucoup, les gars. Ça régale. Ça met la dernière en Tesla, tu connais tout ça. Merci à tous, selon toi. Ah, tu verras ça dans une vidéo qui sortira prochainement. Classement de tous les atouts. Du meilleur au pire, selon moi. T'auras bientôt la réponse, t'inquiète. Faut juste être abonné à la chaîne YouTube. Voilà, hop. Petite nuke sans zombie en plus. Ça nous laisse tranquille pendant un petit moment. Pas cracher dessus. En plus, Yeron a fait une tier list des meilleurs atouts. C'est vrai. J'ai complètement oublié. Quelle indignité. Je dirais même. Quelle indignité. Ah, je tirais 6 balles au cas où, comme ça on est un peu plus tranquille le temps que le sang de zombie il dégage.
Hop, ça dégage. Ah, oh, let's go, Mara Stand, vas-y, pourquoi pas. Enfin, mange ça, encore. Les autres en deux. Eh, ça va aller vite. Si on arrive à faire les 50 sur Origins, j'aurais été super content, franchement. Franchement, ça... Ça me rendrait vraiment heureux. Genre, vraiment. Tu sais, vraiment, carrément content, carrément heureux. Hop. Et les gens qui disaient, ouais, à l'époque de Black Ops 1, Black Ops 2, tu vois, au moins c'était compliqué la survie, c'était pas des strats camp où tu faisais rien. Tu leur rafraîchis leur mémoire, tu leur dis, ah, t'es sûr, parce que Mobile Legends, qui a 50, c'est de la camp. Origins, c'est quand même beaucoup de camp. Diriz, c'est totalement de la camp. Sur ça, c'est à partir de Black Ops 2 que c'est devenu plus simple, Aaron. C'est vrai que la majorité des pro-runners sont sur B1 quoi. Putain, notre cycle de bonus il est vraiment merdique as fuck hein. On a encore un min-max à ce manche, c'est horrible. Non, moi on manque pas de balles quoi. Oh putain, j'allais dire, oh non j'ai pris le sang zombie, je voulais pas le prendre pour que les zombies arrivent sur maternal justement. Waouh. Je me suis dit non. Pas aujourd'hui Zinedine. Pas après tout ce que t'as fait. Mais encore un min-max. Et Buried aussi, Buried bien sûr la camp, bien sûr. Nascar, à la 70, ce que tu fais, c'est avec le bâton de glace, tu vas là-bas. Ce sera plus simple. Hop. Ah. My shield. No. Mais pourquoi il me tape? Ça passe, ça passe, ça passe, frérot, ça passe! Incroyable! Wouh! Merci beaucoup, Darkito, pour ton raid avec 4 viewers. Bienvenue à tes viewers, du coup! En espérant que t'aies passé un bon stream. Sur ton live, en tout cas. Ça fait plaisir, je te remercie. Voilà, calmez-vous les zombies, s'il vous plaît. Vas-y, bisous, kill. Puis au plus tard à dimanche, du coup, tu kill you. Et au plus tôt à dans la combe, tout simplement. C'est incroyable. C'est incroyable. Munitions max. Et on avance. Mange 34, plus que 16 pour l'objectif hein, du petit bonus. C'est cool. Moi, je suis content. Je suis content, je suis content. Oh. Putain de merde. Est-ce que je vais me faire chier pour un min-max? Oui. J'ai voulu faire demi-tour. J'ai fait, oui, le min-max. Bien sûr que je vais le prendre, bien sûr que je vais jouer au générateur 3. Ah mais non, là, il est pas tourné de min-max. Ah oui, parce qu'il y a une certaine chance de le drop. C'est ça, je crois. Je sais plus. J'ai fait demi-tour, j'ai vu ta zombie, j'ai fait, allez, on va aller au générateur 3. On va juste y faire un petit tour, tu vois, c'est juste pour voir. C'est juste pour ça, t'inquiète. Hein. J'ai vu la foule derrière, je fais même pas, je fais demi-tour dans la boule ici. Oh non les gars, le pied de robot. Ah oh. Mince alors. Oh, oh, je suis pas mort. J'ai hacké le jeu. Putain, c'est vraiment bien, tu fais même plus chier, genre attendre que le pied de robot passe quand t'as le casque.
Quel jeu d'acteur. Ouais, je sais, je sais. On arrête à la manche 50, les gars. Comme on a fait sur Diris, sur Buried, etc, etc. Hop là, le petit coup de chéri. Et chéri Electric, il met vraiment bien sur cette strat. Franchement, je le sous-cote à chaque fois, chéri. Non, vrai de vrai, il est putain de bien. Ah merde, c'est la fin de manche. J'ai un peu tiré une balle pour pas grand chose là. Ouais, ouais, ouais. Bon, 35, plus que 15 manches, les gars. En vrai, je pense arrêter une fois qu'on aura fait les 15 manches, ce qui va déjà être 23h. Je sais que ça va être un stream court, mais comme il y a le technicien qui vient à partir de 8h, j'ai pas envie de louper le réveil, quoi. Il est déjà pas venu une fois, le technicien, j'aimerais pas que cette fois-ci, il passe pas parce que je me suis pas réveillé. Enfin, bah, quand tu switches d'arme, le fait que la tornade ne se charge pas, j'adore. On va regarder s'il y a pas un bonus qui pop dans les zombies, là, vite fait. Ah merde, j'ai tiré une tornade de 6. Et écoute, j'ai pas entendu et pas vu de bonus. Donc bon, soit. Soit, soit, soit. Encore un nuke. Ah, se dire, le petit cycle reset. Enfin, même pas, je prends un nuke. Hein. Je prendrai après. Vas-y, on va la prendre. On a eu tous nos bonus de la manche, c'est bon. Hop. Tellement. Et cette strat, je la connaissais pas au début. C'est en regardant le no power de Dimso que je l'ai apprise. Je crois qu'il faisait avec Freddy. C'est beau gosse. Et on a 10 subs du Daily Sub Goal, les gens. Ceux qui ont leur prime, etc., n'hésitez pas à soutenir, c'est gratuit. Lâchez vos petits subs, ça met bien. Les primes, tout ça, tu connais, bien sûr. Bien sûr. Il faut se lâcher, se faire plaisir. Hein. Et faire plaisir, mettre la dernière tout cela. Hop là, toi, tu dégages, s'il te plaît. Hop. Merci Dico pour le follow et Phantom Foot aussi. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous deux. Installez-vous, mettez-vous bien. Hop. Je vais juste faire un petit truc. Tac. Salut Smokeris, comment tu vas? Comment que tu vas, toi, Holo? Dis-moi, es-tu Holo? Ah, rechargement, vite. Ah, et chéri Trick avec Mort Instant, ça ne tue pas les zombies. Je viens juste de remarquer, voilà. Je sais pas si vous étiez au courant, mais j'étais pas au courant, perso. Et let's go, 37. Sûrement Panzer à ce manche. Faut qu'on soit sur nos gardes du coup. Comment il va? Il va bien. Et lui le petit Diablo. Ah, j'ai tiré une balle de 6. Ah bah non, ce sera la 38 alors le Panzouille. Le Panzouille. Et comment c'est de plus en plus vénère les zombies là, dans leur course, tu vois que ça arrive de plus en plus vite. Pas trop compliqué tous les secrets, en vrai ça va, là on s'en est bien sorti je trouve à cette game. On a bien géré, on a... Ah, je suis content, on a réussi à quasiment tous les faire, quoi. Ah, munitions max, let's go. Dans la nuke.
Enfin, on a réussi à faire tous les secrets d'Origins. Hop. Donc, je suis satisfait. Donc là, il nous reste juste de faire un petit peu de manches, quoi. Vu que c'est pas un truc du secret principal, faire des manches. Ah, RIP Barbie. Faudrait que t'aies ta première paye, du coup, là. Un peu tiopeu. Merci, HDA, pour le follow. Et si beau aussi. Ouais, c'est sûr. Mais bougez-vous! Bande de salauds! Ah! On a un Panzer derrière nous en plus, super! J'adore quand ça se passe comme ça. Ah, j'ai peur de t'avoir le temps d'arriver! A fait les deux d'un coup, il est trop bien. Oh, on l'a fait en stream! On l'a fait en stream celle-là. Ah, fait chier, ils ont pas drop de min-max. Dommage. Après, je viens d'en avoir un, donc c'est pas très dérangeant non plus. Chose que le zombie flap. Zix, pour un installation planning. Je le dis chaque soir. Comme même. Comme même. Ah, je t'en passer. Oui. Tranquille. Tranquille, on est passé. Large même. Alors là, vu qu'il y a Panzer qui arrive, je vais être safe. Hop là. Oh bah. En plus de ça, mec, un petit min-max qui fait plaisir, ça part. Incroyable. Hop. Ok, on est replacé, c'est bon. Ah, une petite nuke pour après, vas-y, pourquoi pas. Calmez-vous, messieurs. Hop là. Eh, me tape pas. T'es nuké. Oh. Yo, le games. Comment tu vas? Merci encore pour ton follow tout à l'heure, ça fait plaisir. Ça arrive, attends. Si t'arrives de faire du multigaming, bah c'est ce que je dis, Zix. Pour un exclamation planning. C'est que tu le connais pas, mec, si tu demandes ça. C'est clair, remarqué. Eh, j'ai pris les mastos. Oui, j'ai pris les 100 points de mastos. Okay. Enfin, les 25 points, pardon, c'est pas les 100 points. Je joue 3 BO3. Je joue beaucoup trop à Black Ops 3. Allez, encore 11 manches. Sans zombies, non merci, ça ira frérot. Encore min max, bon écoute. Très bien, écoute. Si tel est le désir. J'ai des abos ou des poteaux avec des poteaux, comme on dit. Hop. Avez les copains. Avez les copains. Ok, on a eu les 4 bonus à la manche. On a eu les 4 bonus à la manche, j'ai perdu mon cycle de bonus, malheureusement. Blablabla, première paye, blablabla. Ça attend pas un sub chez toi. Ça attend pas. Il faut le sub. Merci beaucoup, du coup, le grand Barbie Left. Le grand Barbie Orange et Tulip. Merci, du coup, pour... Attends, t'es à combien de mois, la Barbie? 4e mois de sub, merci beaucoup. Ça régale, ça met bien. C'est bien. Et 3, let's go. Mmh. Ah, fin de manche. La 40. Nickel, let's go. Elles sont rapides les manches ici, franchement. Bonne strat, très bonne strat. Strat agréable, en plus ça me permet de lire le chat, etc. Merci guerrier pour le follow, bienvenue à toi sur la chaîne. Installe-toi. Et mets-toi bien. Ah, mais la copine qui stream la serait du The Last of Us 2.
N'hésitez pas à les check, hein. Fondation XI ou XI TV, n'importe. Ça ferait plaisir, bien sûr. N'hésitez pas. De toute façon, on va à la raid à la fin du stream. Ça, il faut rester. On va lâcher un gros raid sur la chaîne de la petite copine. Gros raid comme on aime. Histoire de la mettre en PLS, en follow, etc. En viewers. Voilà. Je voulais partir plus loin, moi. J'ai un peu fait mon petit jump. Et Nuke. Ok, on a fait tous les bonus de la manche. On n'aura pas de mission max à cette manche-là. Mais peut-être à la prochaine, du coup. Hop là. Le but c'est de faire 50 manches. Point d'exclamation challenge, frérot. T'as raison d'être pour le montage de ces vidéos. Ah bah écoute, celui qui lui monte plus. Si Kill lui monte plus, hein, je prends un après-midi pour monter les vidéos d'Exi, mais bon, ce serait pas aussi quali que ce que fait Kill, quoi. Ah, fin de manche, ça. Wep. 41, let's go, les gars, on y croit aux 50. On y croit. La semaine dernière, on a fail, on n'a pas eu le slot perk. On n'a pas eu les 50 manches. Faut qu'on continue. Ce soir, on peut les atteindre, les 50. Oh merde, le générateur, si j'avais pas vu. Oh, le con. Ah, ça va être short pour y arriver. Ça va être un peu trop short, même, à mon goût. Allez. Allez. Les jumps. Oh, let's go. Incroyable. Et on a mis le max en plus. Oh non, le pied de robot. Ah bah je me suis un peu fait creuser. Ça aurait été dommage de se faire écraser. Oh, on aurait subi de très gros dégâts, j'imagine. Terrain générateur, le P.K. Punch est désactivé. Et là, je préfère le laisser activer au cas où. Et en plus de ça, si tu les tues sans qu'ils aient désactivé un générateur, ça peut... Il y a une probabilité pour que tu aies une max. Donc... Hop là, let's go. Séance de sport pour les dents. Ah mais, c'est horrible. J'ai mal à mon petit doigt, là, carrément. Ah bah on a mis le max là. À force de courir, courir sauter, c'est incroyable. Hop. Ah merde, le sang de zombie. C'est pas fou le move que j'ai fait. Bah attends, il spawn juste devant moi. Enfin, il s'arrête devant moi, quoi. Bah, va les tuer tant qu'on y est, en vrai. Générateur 6. Ah oui, il est désactivé, mais ça m'a drop un min-max quand même. Bon, bah, c'est pas grave, hein. De toute façon, on ira le réactiver à la fin de la manche. Oh, attends, quand je dis fin de manche. Non, ok. Ok, ils sont derrière. Fin de la manche, on ira. Mais il y a des zombies, ils tapent des gros jumps pendant que t'es un sans zombie, c'est incroyable. Mais du coup, pourquoi est-ce que j'ai un min-max alors que j'ai désactivé le. Enfin, que je les. Bon, je sais pas. De toute façon, on ira le réactiver vite fait après. Bon, attends juste la fin de manche, tu vois, je vais pas aller. 1, 2, 3. Je vais pas aller réactiver en pleine manche, ce serait beaucoup trop risqué. Je pense que c'est compréhensible. Et en parlant de fin de manche, let's go, les gars. Le zombie qui a drop. Oui, c'est normal, c'est le Templier qui te drop ça. C'est pas un zombie que j'ai tué, c'est un Templier qui m'a drop le min-max. Normalement, c'est quand il désactive pas de générateur, mais j'ai dû me tromper. J'ai dû me tromper. Salut Mefa. Et ouais, bientôt dans le 50, les gars, on est à la 41. On lâche pas, on lâche pas. On veut que tout se passe bien, au mieux, bien évidemment. Ta-na-na-na-na-na-na. On ira se refaire un shield 9 aussi tant qu'on y est là pendant cette manche.
Aïe. Ils sont les derniers. Allez, cassez mon shield, les loulous. Voilà, parfait. Je commence... Hey, je rends mal aux doigts. C'est incroyable. C'est un enfer de courir sur cette map avec la boue et tout. J'ai pas marathon en plus. Mais bon, comme là, c'est... je fais la strat camp. Bah, tu vois, je voulais pas... Voilà, t'as compris, hein. Merci Skyfall pour le follow, bienvenue à toi. Et Trinity YouTube et Kylian aussi, mais il y a eu du follow, j'ai pas vu. J'ai loupé beaucoup de followers, désolé. Je m'en excuse, les amis, avec un Z. Film préféré? Bah j'hésite, il y a trois films. Mes trois préférés que j'arrive pas à départager, c'est Fight Club, Drive et Shutter Island. Voilà, c'est mes trois préférés. 115, c'est comment? Le 1 du générateur 1, le deuxième 1 du générateur 1 et le 5 du générateur 5. Voilà, si il y a des tutos au pire sur internet, tu trouves assez facilement, franchement. Hop là. Juste pour faire un stream, tu dépasses mon record de manches de toute ma vie qui est 39 manches sur Dare, mais j'arrive pas à faire plus. Vous auriez des conseils? Bah, t'entraîner, hein. Apprendre les strats, t'entraîner à tourner, à gérer les patterns des zombies, genre, tu sais comment les esquiver. C'est juste de l'entraînement. T'as juste à jouer, à jouer, à jouer, à jouer, à jouer, à jouer. Et au bout d'un moment, ça ira tout seul. Voilà. Y a pas de remède secret en mode. Les seuls conseils, c'est tryhard. C'est tout. Wellstorm! Enfin, re du coup. Ok, on a eu tous nos bonus de cette manche, on a eu la nuke qui du coup, mort instant, sans zombie, x2. Donc une max, il y a moyen qu'on ait la prochaine manche, mais ce serait bien qu'on ait plus pas de munitions max à la 43, mais qu'on en ait un à la 44. Ce serait bien mieux. Alors ça a bien avancé, ouais, je suis content. On a réussi. J'ai réussi à avoir le slot perk. En fait, deuxième emplacement de ta rouge que j'ai regardé, il était là. Genre c'est vraiment de la full chat. Je n'ai pas retrouvé depuis, de toute façon je m'en fous, j'ai les 5 atouts qu'il me faut pour mon run. Il me reste juste, tu vois, le petit bonus des 50 manches, quoi. C'est tout. J'en ai marre à 50. Ouais, Zartox, moi, c'est pareil. Manche 100, maintenant, j'y arrive plus. À part sur BO4. Parce que c'est rapide, les manches 100 sur BO4. T'as regardé la saison 3. Pas encore, j'en suis l'épisode 5, je crois, Zix. On va regarder un petit peu avec ma copine cet après-midi, justement. Mais elle est toujours une dinguerie, mais là, faut que je la regarde à nouveau. Genre, tu vois, je la regarde déjà. Et ensuite, quand on aura fini la saison 3, on va se remater les saisons 1, 2 et enchaîner sur la 3 direct. Parce que... Oh putain. Bordel. J'ai eu peur, j'ai pas entendu le Panzer au début. Mais voilà quoi. T'as fait pour jouer autant de temps sans avoir mal aux yeux? Merci Zerka. Comment est-ce que j'ai fait pour jouer autant de temps ce soir? Passer 3 heures sur un écran en sachant que j'ai passé ma journée à travailler sur l'ordinateur aujourd'hui et je ne mets pas de mots de tête et mal aux yeux. C'est très simple, je porte des lunettes Gunnar. Qu'est-ce que les lunettes Gunnar? C'est des lunettes équipées d'un filtre jaune qui te permet de contrer la lumière bleue nocive des écrans. Parce que je ne sais pas si t'es au courant. Les écrans rejettent de la lumière bleue. C'est ce qui te cause de la fatigue visuelle, ce qui te cause des maux de tête. Plein de choses comme ça qui sont pas bons, ce qui t'abîme la vue également à force d'être sur un écran. Donc si tu veux protéger tes yeux des écrans et ne plus avoir de migraines, etc., n'hésite pas à aller sur le site Gunnar. Et en plus de ça, parce que c'est incroyable, parce que la vue c'est importante, c'est important, pardon, tu as 10% de réduction sur tout le site Gunnar. Tout le site. Sur tous les produits, sur ton panier, avec le code Flapix. Donc n'hésitez pas, les gens, allez sur le site Gunnar et vous procurez des lunettes. En plus, elles ont du flow, on va pas se mentir. Tu as énormément de modèles avec des verres plus blancs, moins blancs, jaunes, etc. Pour 10% avec le code Flapix. Et merci beaucoup, Zerkanium, pour la perche tendue, pour le placement Gunnar. C'est sûr, frérot. Ça, c'est du viewer. C'est du viewer qui tourne les perches pour faire des placements. Non, en vrai, sincèrement, c'est cool. Je suis partenaire à Gunnar depuis longtemps, en plus. C'est les frérots, donc n'hésitez pas, les gars. N'hésitez pas. C'est beau, incroyable tout ça, c'est incroyable. Et même les lunettes Gunnar sont incroyaux. Et ouais, quel temps le marketing? Ouais, ouais, je sais, j'ai une bonne formation. Je viens de YouTube, c'est pour ça que j'ai un bon temps le marketing. Gratuit ça.
Oh putain, le triple bonus, enfin spawn de bonus. On va pas les prendre parce que j'ai pas envie de prendre le sang de zombie, ça va plus retarder les zombies qu'autre chose. Et voilà, je vis que ça aille vite. On est là, manche 44, les gars, on est presque à la fin. On peut même compléter ça. Mais comment je fais pour avoir mes jeux moins chers? Ah, c'est en mus. Ce sera pour un prochain épisode. On va pas en abuser. Mais si tu veux tes jeux DLC, cartes PSN, cartes Xbox moins chères, n'hésite pas à aller sur le site Eneba, t'as 3% de réduction avec le code FLEPIX également. Merci, voilà. Pour les sessions Eneba pour les jeux, pour l'exclamation Gunnars ou lunettes dans le chat pour les lunettes. Voilà. Ah, on devrait mourir, messieurs. Comment tu fais pour les avoir autant mal au dos grâce à ma magnifique chaise gaming? Bon, on va arrêter, c'est bon. Il ne faut pas abuser les bonnes choses, hein, tu connais. Hop là, le petit max. Oh là là. A pas abusé. Oh, allez si, Eneba. Oh là là. C'est incroyable. Bon, allez les gars, plus que 6 manches et on aura terminé avec les 100% de challenge des secrets secondaires de Black Ops 2. Et ça, c'est beau. Mais j'aimerais quand même finir sur une réussite du petit point bonus, quoi. Tu sais, du petit point des 50 manches. Ça me ferait kiffer qu'on y arrive. Voilà, ce sera une petite satisfaction en plus. Oh, on a fait tout ce qu'il y a à faire sur Origin, c'est Dieu sait qu'il y avait beaucoup de choses. Mais en plus de ça, on arrive à faire le run après. Ça met bien, quoi. BO4, tu passes plus vite les manches que sur BO2. Oui, Lucas, d'abord parce qu'il y a eu des spawn control plus abusés sur BO4, c'est surtout pour ça. Et que t'es jamais en galère de munitions, donc t'as pas besoin de ces deux. De faire une petite pause en mode putain, merde, les munitions, faut que j'aille les chercher et tout, tu vois. Mais comment tu fais pour streamer sans latence? C'est grâce à la fibre de... C'est faux, ils m'ont toujours pas installé la fibre, ils ont culé. Enfin si, j'ai la fibre chez mes parents, quoi. Mais pas chez moi. Putain. Ces enfoirés, là. Allez, cours, le perso. Impossible, faut être cocu, j'ai jamais réussi à ouvrir le robot au cut. Jamais tenté, à vrai dire. Faut un timing de ouf, quoi. Let's go! Le générateur a pas désactivé. Oh merde! J'ai pris une max avant de balancer le napalm. Je suis le pire des pires. Non, allez, à toi, y'a plus Ulvata. C'est juste pendant une période, c'est ça, de toute façon, les sponsors. Puis comme après, bah, y'avait pas vraiment de truc à part, ouais, on t'offre un pour tout le temps si tu veux, j'ai fait, ouais. Oh non, ça vaut pas le coup. Tu vois, les manches passent vite, les manches passent super vite en vrai à cette strat. Je trouve, hein. Ah, pour du BO2. Franchement, content de cette strat. Et merde. Là, c'est la meilleure loi. À l'aide, à l'aide. C'est bon. Hop. C'est rien, c'est la rue. Et hop. Donc. Voilà, calmez-vous! Vous êtes censé mourir avec la nuke, les loulous! Tout de même, comme même! La tente de glace, mon préféré, mais c'est meilleur pour les runs de glace! Clairement! C'est le plus cheaté de tous! Incroyable! C'est... Ils sont incroyables, clairement! Ah merde, j'ai tiré 6 balles. Chut. Ouais, sans zombie. Ah bah, j'ai bien fait. J'ai clairement bien fait. Et avec ces strats, tu peux pousser vachement loin parce que t'as constamment des mines, c'est incroyable. Fin de manche en plus. Let's go. Let's go. L'arc électrique. Ah zik, c'est... Maintenant, puisqu'ils ont nerf l'arc électrique, malheureusement il est beaucoup moins puissant qu'avant, genre il tue plus les zombies one shot et il a un petit temps. Genre les zombies rentrent dans la tornade, il y a 2 secondes avant qu'ils meurent maintenant, et honnêtement je sais plus comme avant. Donc je dirais le bâton de glace. Je préfère maintenant le bâton de glace. Voilà. 3 heures t'as perdu, ah mais bon. Eh hey, plus c'est long, plus c'est bon. Tu connais. Hop. Donc depuis qu'ils ont nerf l'arc électrique, ouais c'est le glace mon préféré. Enfin c'est bâton de glace du coup mon préféré. Que l'arc électrique est nerf. Bordel, c'était dur à dire, j'ai galère à parler moi.
Nouvelle émote incroyable. Bah pour une nouvelle émote les gars, il faudra atteindre les 2000 subs. Hein. Je peux pas rajouter d'émote en dessous des 2000. J'attends le max de slot que je pouvais. Voilà, voilà. C'est ce qu'il reste à faire si vous voulez de nouvelles émotes. Il faut lâcher les subs. Les subs en balle. Qu'on me les spam, qu'on me les lâche, les prime, les subgifts, tout ça. Tu connais la musique, tu connais la chanson. On met la daronne en Tesla, tout ça, blablabla, blablabla. Ah, le min-max encore. Et ça, il n'y a pas de braderie, il n'y a pas de charpentier. Donc en vrai, il n'y a pas non plus les bonus bonifications comme sur Black Ops 4. Donc c'est vrai que le cycle de bonus, il est vite passé. Hop. La commu en Tesla, exactement. Merci Zombusters pour le follow, bienvenue à toi. Installe-toi. Plus que 3 manches les gars. Let's go, faut pas qu'on fail, faut pas qu'on fail, si proche du but. Bah après de toute façon c'est un bonus, hein. On a réussi le challenge. Mais bon j'arrive bien, je vais y arriver quoi. Pioche bien, oh avec. Avec Shangri-La, le Napalm là qu'il faudra pas fail. Moon, les resets de l'estivatrice, ah ça va être un plaisir. Hein. Et les boîtes de Moon aussi. Oh, ça va être un enfer vendredi. Néanmoins, une fois qu'il sera fait, on n'aura plus besoin de le faire. Hop. Incroyable. Wouh. On a bien géré le Panzer et tout, là, franchement, content. Mon Dreadio, ça va être une purge. Tac, le petit chien électrique. Il est trop bien. J'ai cru entendre un autre Panzer spawn, j'allais dire. Comment? Ah, c'est qu'à partir de Black Ops 3 où ils ont commencé à rajouter deux Panzers au bout d'un moment dans les manches. T'en avais qu'un seul en solo sur BO3. BO2, alors que BO3 t'en as jusqu'à 3 je crois. Ou 2, je sais plus. Plus que 2 manches. Let's go. Allez, on y croit. SP Call of, c'est quel jeu? Bah t'as clairement, sur le planning, t'as vraiment... Tu peux deviner, enfin c'est même pas tu peux deviner, c'est l'image elle le montre carrément. Chaque fois les images c'est dédié avec le truc qu'on fait. Non, il faudrait qu'ils arrêtent avec leur générateur 6, ils me cassent les couilles eux. Gars, si tu meurs à la manche 49, bon c'est pas grave, si on meurt à la 49, on va mourir un jour ou l'autre façon dans la game. Ah, ils ont pas mis de min-max, tant pis, je balance quand même ça. Tant pis s'il n'y a pas de min-max, on n'a pas trop besoin de napalm pour l'instant en vrai. Secret d'origine, c'est tout? Nope! Pas de secret! C'est que les secrets secondaires pour une extension challenge. Et t'as toutes les infos justement des trucs qu'on a fait. Tu donnes sur dernier zombie de la 49, ah t'imagines? Encore donne la 49, je m'en fous, mais donne avec le dernier zombie, alors là, là, c'est bon. C'est bon, quoi. Si on donne avec le dernier zombie de la 49, on se relance la semaine prochaine, Origins, pour le faire, hein. Le 50. Let's go, le petit min-max. Voici la dernière fois, nope, on n'avait pas trouvé le truc du stand zombie, mais on a vu le bug, comme quoi il était invisible. Enfin, de toute façon, la partie, elle était full broke, c'était incroyable. Le truc du stand zombie, il était invisible, il était aucun de ses emplacements. On avait des zombies qui volaient, on s'est fait one shot par des zombies. Et je crois qu'on a arrêté ou on est mort à la 43, je crois, je sais plus, la semaine dernière.
On avait quasiment tout fait, donc c'est pour ça qu'on s'est renseigné cette semaine. On s'est dit, on va pas rester sur un truc, deux trucs loupés, quoi. Là, le robot bug est écrasé, putain, t'imagines. Le casque en or marche pas. Nani. Plus que deux manches, les gars. C'est au moment où faut tout faire péter. Donnez de la force dans le chat, bordel de merde. Bordel de crotte à cul. Wesh Eldri, comment tu vas? Let's go. Dernière manche. On a la 49. Fais gaffe à ce qu'il n'y ait pas un petit panzer qui se ramène. Et bah je crois qu'on a même pas de panzer à cette manche en plus. La folie. C'est une manche tranquille. Ah bah l'ours Eldri, ça fait plaisir. Ah c'est pour ça que je m'estime garde. Ah ça c'est une obligation pour moi. J'ai plein de potes qui ont eu le même problème et j'ai trop peur quoi. Salut Thomas Bleu, comment tu vas? Force.exe est activé. On y croit. C'est la dernière manche, faut juste pas qu'on fasse le con. Juste pas qu'on fasse le con et c'est bon. On y est presque, putain, je suis content. On va l'avoir réussi ce 100% challenge et le 50 en plus. Eh, donne-moi le min-max par contre. Ah bah lourd Eldri ça. C'est pas mal. Merci Leia pour le follow. Et Astok TV aussi. Merci pour follow les frérots, vous mettez bien. Je psychote, j'ai l'impression d'entendre un Panzer spawn, c'est incroyable. Mais non, c'est le spawn que j'ai juste là en fait. Putain, c'est le spawn de zombies. J'ai l'impression que c'est Panzer qui, tu sais, atterrit. Qui se... Je suis heureux, on l'a fait les gars, c'était le dernier épisode de tous les secrets secondaires à 100% de Call of Duty Black Ops 2. On a réussi Origins et on a réussi le petit bonus des 50. Spammez les mots de GG là. Putain. Et vas-y, j'ai pas envie d'avoir une donne en plus. J'ai pas envie d'avoir une down en plus, on a eu qu'une seule down. Deux down, pardon. Ah non, une seule down. Et les gars, on a tout fait. Tout fait sur Origins, tous les secrets secondaires. Et un petit run en plus, vu que c'est un truc qui sort des secrets principaux. Au moins, c'est bien, ça nous permet de revoir tout ce qu'il y a à faire sur chaque map zombie en dehors du secret principal. Parce que comme je dis, les streamers, youtubeurs, etc., on fait tout le temps les secrets d'Arrestor, secrets Shadow, secrets Origins, etc. Mais on voit pas tous les trucs à côté des maps. Et là, avec cette série, au moins, on voit les tout ce qu'il y a à faire, en fait, sur les maps. Tout. Et ça, ça fait plaisir. Donc, les gars, si vous étiez sur Flappix TV, parce que, bien sûr, il y aura la rediffusion quand on y arrivait, n'hésitez pas à me laisser un max de likes pour les prochains épisodes. Ça ferait très plaisir que vous bombardiez à avoir des likes sur Flappix TV. Et abonnez-vous à cette chaîne secondaire pour une rediff tous les samedis à 14h. Activez la cloche de notification sur cette chaîne Flappix TV, bien sûr. Et puis, bah, voilà. Du coup, on aura... Parce qu'on va pas faire les maps survie, on va pas faire Nuketown, y'a rien à faire dessus. Allez, atteindre la manche 25. Voilà, on va pas faire, c'est pareil, ville, ferme, dépôt, y'a rien à faire. Mais du coup, on aura fait Diriz, on aura fait Buried, on aura fait Origins, on aura fait Mob, et on aura fait Transit. Ah, quel plaisir! Quel plaisir, putain! Oh là là. Du coup, bah, la semaine prochaine, les gars, on va passer
aux maps de Call of Duty Black Ops 3. Je vous dis pas encore quelle map, ce sera la surprise. Mais donc on va passer à l'opus de Black Ops 3. Lundi prochain, donc à 20h, voilà, vous savez que tous les lundis c'est quand on fait cette série. Et je n'ai pas vu Transit, il y aura la rediff de toute façon. Les gars, checkez pour la rediff, hein. La PixTV, tu connais tout ça. Mais non, incroyable, je suis trop content, on a réussi. Et ça, sur toute la map, il y aura beaucoup de choses à faire sur BO3. De toute façon, on les fera tout, on fera SOE. Même The Giant, à la limite, en bonus, après une autre map, tu vois. Derrière, on fera Gorod, ZNS, Révélation. On les fera toutes. Peut-être Zombies Chronicles, on verra. Zombies Chronicles, on fera peut-être un épisode bonus après avoir fait les maps de Black Ops 3 et 4, quoi. Peut-être. Mais donc, voilà, semaine prochaine, on commencera à Black Ops 3. On verra... Non, on fait pas dans l'ordre, un mot. On a commencé par Buried. Ensuite, on a fait... Mob, ensuite on a fait Transit, ensuite on a fait Diris, ensuite on a fait Origins. Y a pas d'ordre, on fait pas dans l'ordre, etc. On fait dans un désordre les maps que j'ai envie de faire en priorité, tu vois. Mais voilà quoi. Tu prendras en fonction. Ouais, c'est ça, Eltry, exactement. En fonction de si mes potes sont là ou pas. Enfin, The Giant, voilà quoi, on s'en vit dessus. Bah, dessus y'a l'annihilateur, la musique, l'atout. C'est genre soit Deadshot, soit Marathon, tu vois. Droid est long. Non, y a rien à faire. Vraiment, sur les maps de Zenitsky, y'a rien à faire. C'est pour ça que je vais pas faire Buried dans cette série. C'est que quand t'as vu Diris, Transit et Buried, y'avait rien à faire à part des constructions. C'était incroyable. Les radios, oui, bon, bah, les radios, voilà. On compte pas, quoi, les radios, on les compte pas. C'est pas, tu vois, un truc, une action. C'est pas. Pas sur l'aléatoire, c'est un peu. L'aléatoire, c'est vrai qu'il y a pas grand chose à faire. Mais non, je suis content. On a bien enchaîné les maps de Black Ops 2, franchement, c'était très cool cette petite série. Bon, malheureusement, je sais qu'il est tôt, qu'il est que 23h30, mais on va se laisser là-dessus, le chat Twitch. J'espère que vous m'en excuserez en tout cas, mais comme je vous le dis et je vous le rappelle, c'est que demain, le technicien vient installer la fibre entre 8h et 11h30, donc il faut que je me lève à 7h, le temps de me préparer, etc., bien sûr, pour être tranquille. Donc sur ça, je veux pas louper le réveil, on va cut le stream maintenant. Mais si le technicien met bien la fibre demain matin, ça veut dire que demain après-midi, j'installe mon setup dans mon appartement. Et que demain soir à 20h, déjà, nouveau stream zombie, les gars. On se retrouve demain soir à 20h sur Twitch pour le prochain stream zombie. Mais ça veut dire que demain soir à 20h, vous aurez le nouveau décor en stream. Et en plus de ça, vous aurez le retour des streams classiques. 20h, 2h du matin, bam, 6h de stream, on enchaîne, on les déterre. Ça va être incroyable, je suis trop pressé de demain soir pour reprendre les longs streams. C'est vrai que là, du coup, je cut tôt, c'est le temps de rentrer chez moi, de déménager, de faire les travaux, etc. C'est pour ça que là, il y a eu 2 semaines de stream plus court, de 3-4 heures, et pas de 6 heures comme d'habitude. Je m'en excuse, voilà, j'espère que vous m'en excuserez, parce que ça arrive notamment pour ceux qui payent leur sub, c'est pas très ouf. Je pense pour ça aussi qu'on a un peu baissé en sub. Bon, après, tu dis que j'ai actuellement plus de sub que les Dojna, le Bouzou, etc. Donc c'est incompréhensible pourquoi j'en ai autant, mais bon, voilà. Mais voilà, je m'en excuse, en tout cas. Mais ouais, vivement le retour des grands streams, ça va faire plaisir. En tout cas, le chat Twitch, avant de se quitter, restez, parce qu'on va faire une surprise. On va aller raid la chaîne Twitch de ma copine. On va essayer de la mettre en PLS. Voilà, tout simplement, on va essayer de la mettre en PLS sur les follow, etc. Montrer, allez la soutenir à balle, s'il vous plaît. Se lance dans le stream, ce serait cool, franchement, de la faire exploser, quoi. Donc n'hésitez pas, on va raid. Une fois que l'outro, ça va passer, on va raid la chaîne Twitch de ma copine. En attendant, je vous rappelle, les gars, on se retrouve, du coup, demain soir à 20h pour le prochain stream zombie, qui va être extraordinaire. Ceux qui ont check le planning savent ce qu'on va faire demain soir. Donc j'espère que vous serez là demain soir à 20h. En attendant, n'hésitez pas à aller checker la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne principale. Tous les atouts zombies en une seule partie. 17 atouts. C'est le Random Perk Challenge. Avoir tous les atouts de manière aléatoire en une partie. Allez, check c'est la dernière vidéo de la chaîne principale. Ce serait cool que vous ayez la voir. Moi, j'ai kiffé la tournée. Et sinon, bah, n'hésitez pas à aller check le planning de la semaine. Pour savoir quand est-ce qu'il y a un nouveau live. Pour savoir quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo. Et qu'est-ce que ce sera comme vidéo. Qu'est-ce que ce sera comme live. Checkez-moi le planning. Ça ferait plaisir. En attendant, merci pour votre soutien au quotidien. C'est incroyable. Rendez-vous demain soir pour un nouveau stream zombie. Pour le nouveau décor. Et pour le retour des gros streams, je vous embrasse fort. A tout de suite sur le stream de ma copine. Je vous souhaite une excellente soirée. Ça se présente vous. Et à la prochaine, bande de bobales.